T'as pas dit bim. Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dates de jeu. Ce soir, on se retrouve avec la Dream Team pour vous faire la une... La Dream Team, c'est-à-dire que c'est les meilleurs. Ouais, c'est la meilleure. La Dream Team. Donc ce soir avec nous, on a Mathieu. Salut. On a Momo, on a Morgiche et on a moi. Et on est là pour vous souhaiter une bonne année. Ah ouais, c'est vrai ça. Et après on se casse. Je te l'ai pas dit toi. Salut. Non, c'est vrai. Meilleur vœu mec. Ouais, mais tu penses, comment ça l'a repas cher? Tu penses? Moi j'ai dit je sais pas combien de fois aujourd'hui, j'en avais rien à foutre. J'en avais la moitié qui pouvait crever. Pourtant je leur ai dit bonne année. Hein. Bon, est-ce qu'ils sont là les gens? Ils nous voient? Ah bah ouais, il y a des commentaires, t'as jamais pas regardé. Putain, tu fais pas ton boulot. Ben non, salut les dingues, hop hop hop, bim année à tous. Bim année à tous, pas mal, pas mal. Il n'y a pas à penser, rembobine, on recommence. Et quelle meilleure façon de commencer cette année que par une petite partie d'Eden à l'ancienne. C'est comme ça que je t'ai rencontré. C'est comme ça que tu rencontres. Oh, le truc, c'est vrai. Il a des larmes dans les yeux, regarde. Il est pas arrivé avec des bonnes choses. Toujours, il est qui brille. Il nous avait lancé un défi. Ouais, c'est toi qui m'avais lancé un défi. C'est moi qui t'avais lancé un défi. Parce que tu t'appelais Morgan et moi aussi. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu t'appelais comme moi. Ouais, non, c'est toi qui t'appelles comme moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontré effectivement avec Morgiche. À l'époque, c'était un abonné des dingues de jeu. Et un jour, il a franchi le pas. Il a dit, je vais venir. Et voilà, maintenant, il est là avec nous et on n'arrive plus à s'en débarrasser. Venez le chercher. Si ta mère nous regarde, Blonde. Donc, les amis, ce soir, on va vous faire une petite partie d'Eden. On espère qu'on n'est pas trop rouillé d'Eden. Mais non, c'est bon. Non, ça parfait. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo. Eden, ça s'oublie pas. On va faire une petite partie d'Eden. On a eu beaucoup de questions par rapport à ce rapport de bataille, savoir si on allait parler des news ou des choses comme ça. Alors, on a effectivement plein d'informations, mais on ne pourra rien vous dire. C'est comme ça. Après... Restez pendant le live, on lâchera peut-être des petites informations. Je vais pas prendre une petite pastille. Par inadvertance, la pilule rouge. La pilule rouge, par inadvertance. Vous savez qu'un de mes petits noms, c'est Joe la fuite. Et c'est pas par rapport à des problèmes urinaires. C'est pas ton âge. C'est par rapport à ton âge. Non, c'est par rapport à ma capacité à lâcher des informations par inadvertance. Donc si vous restez avec nous, peut-être qu'on vous dira plus sur l'avenir d'Eden. C'est pas entre nos mains, mais en tout cas 2022 devrait être une bonne année. Question hasard, et déjà Théo, est-ce qu'il y a une reprise du jeu déjà? Tu vois, peut-être. Bah c'est pas nous, hein. Nous on est juste les dingues de jeu. Mais j'ai l'impression que 2022 va être une bonne année pour Eden en tout cas. Ou pas. Donc nous, on est là pour vous faire une petite partie ce soir. On vous rappelle aussi, oui, il faut que je regarde la caméra. C'est vrai qu'on a tendance à regarder le retour pour voir si on passe bien à la télé, mais il faut qu'on prenne l'habitude de regarder la caméra. On est sur la PTZ là-bas. Le point vert. On pourrait mettre une image intéressante. Ouais, pin-up, c'est comme dans les trucs chez les mécanos. On diffuse Miss France. Pas mal. On va essayer de trouver des idées. Ouais. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées là-dessus. Donc première partie de l'année pour les dingues de jeu. On est encore dans notre période festival de jeu, sachant que bientôt on va passer dans la deuxième phase, qui va être une phase de campagne effectivement. On a lancé le sondage sur le Tipeee. Donc si vous êtes un soutien de la chaîne, vous avez reçu un petit message interne à Tipeee avec un lien pour aller voter. Donc ça vous permettra de voter pour les jeux que vous voulez voir en campagne. En ce moment c'est assez tendu au niveau du sondage. On a 5 jeux qui se bagarrent en 4 ou 5. On a 4 ou 5 jeux qui se bagarrent la pole position. On a Blood Bowl, Necromunda à égalité. Ouais. Game of Thrones. Ensuite Game of Thrones et Star Wars. Star Wars Légion. Et il y en avait un 5. Il y a un petit Dust qui commence à monter. Il y a Dust aussi qui est dans les parages. Il y a Dust qui commence donc à monter. Donc si vous n'avez pas encore répondu au sondage, n'hésitez pas à le faire. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, une nouvelle semaine effectivement, mais on arrêtera les sondages pour savoir exactement à quoi on va jouer. On vous a aussi proposé dans ce sondage de venir jouer avec nous, et là il y a plus de 80,
de réponses positives, donc il y a beaucoup de gens qui veulent venir au studio des dingues de jeu. On vous expliquera la semaine prochaine comment tout ça va se passer, mais en tout cas... préparer les photos, les lettres de motivation... Ouais, les photos en maillot de bain. La bière. Les CV, ouais, ramener de la bière aussi. Ouais. On vous expliquera tout et ça la semaine prochaine. Ça n'a pas de goût, ça. Je ne sais pas qui c'est qui a ramené ça. C'est la jade sans gluten, c'est la mienne. Elle fait pas mal à la tête. Elle fait pas mal à la tête, celle-là. Donc voilà les amis, sur le programme des dingues de jeu, à partir de la semaine prochaine, on va vous annoncer les jeux qui seront développés en campagne et on lancera les invitations pour nos amis dingo, les soutiens de la chaîne des dingues de jeu. On vous invitera tous à venir au bar, les uns après les autres, mais en tout cas ça va être une glorieuse année pour nous. Est-ce qu'on a des choses à rajouter les amis avant qu'on se mette autour de la table? Est-ce qu'on a des questions? Non, on nous propose de mettre un miroir si on veut voir des belles choses en face de nous. Lui il peut venir déjà. T'es invité. Tu peux venir dormir chez moi. Enfin, je sais pas, parce qu'il veut venir avec un saucisson, donc je sais pas si. Saucisson. Allez, et un point pour l'élection du faillot d'or. On fera ça aussi à la fin de l'année. Comment il s'appelle? Il veut venir avec un saucisson en plus? C'est qui? C'est Poluxosaur. Poluxosaur, ok. Poluxosaur. Mais il faut changer de nom, c'est trop compliqué. Carnise aussi, c'est Romain, c'est le frangin. Il y a le frangin de Morgus qui est là aussi. T'as intérêt à faire attention. Ah ouais, on est cramé par la lumière si on est trop devant là. Ah ouais, mais t'approches pas trop. Ouais. C'est pas une bonne idée. Bon, vous êtes prêts les amis? On se met autour de la table et on joue Eden. Donc ce soir, ça va être Morgish qui va jouer des Néphilines, les extraterrestres. Ouais, contre moi qui vais jouer des mutants. Je vais jouer Kojen. Et puis les gars, on régit ce soir. Allez, donc moi je pilote. N'hésitez pas à faire des commentaires, on va sans doute faire des erreurs de règles, surtout Morgish. Vous rappellerez les règles et vous ferez les commentaires. Vous êtes prêts, les gars? Allez, bim! Parti! Et puis tu es énervant, finir tout ça! Alors là, attends, tu peux passer sur le stream Eden. Là. Ça, c'est le boulot de Morgane, normalement. Ouais, c'est le boulot de Morgane, normalement, effectivement. Mais... j'avais poussé le micro. Ça a changé quelque chose, hein? Ouais. Voilà, musique. La piste de... Ah. Ouais, ils vont avoir un petit fond. Ah, c'est prêt, ça. Fond sonore. Voilà, ça marche, tout marche. Dites tous, la musique, c'est OK, le fond sonore. Il y a un fond sonore, Eden. Alors, on a repris un peu celui de Space Hulk, c'est un peu futuriste, tu vois, c'est un peu c'est glauque. C'est un peu à Castagne. Hein. Ouais, c'est un peu à Castagne. Là, tu t'assois, toi. Ouais, je m'assois. Et il commence. Hein? Bon, la présentation d'armée, là, c'est ça? Allez. Présentation d'armée. Est-ce qu'on peut appeler ça une armée, Morgish? Bah ouais. Présentation de bonhomme. Faction, on dit une faction. Faction, pas mal, c'est vrai. On dit une faction, Eden. Alors, présente-nous ta faction, Morgish. Vous êtes sûr qui est sur moi? Mais moi, je suis sur toi, vas-y, à fond. Alors, moi, je vais commencer par un petit lot. C'est l'assassin, en gros. Ouais, d'accord. Là, il casse des bouches. J'ai l'intello maître Ikfaris. Donc lui, c'est ton leader, c'est ça? Lui, c'est mon leader, ouais. Avec Yapalko, qui est intelligent aussi à côté. Ouais. Et lui, il n'est pas intelligent. Et le couturier de la bande, c'est Tekera. D'accord. Donc, pour rappel à Eden, on a un budget de 100 points pour acheter ces figurines. Donc, les compositions sont plus ou moins populeuses, mais en général, c'est entre 3 et 5 ou 6 figurines. C'est ça. Et là, moi, en termes d'effectifs, je suis sur minimum, là, parce que j'ai sorti Kojen, qui prend la moitié du budget à lui tout seul. Donc, Kojen, lui, c'est la brute de service, 50 points. Des capacités assez intéressantes, mais en plus il a des capacités spéciales comme choc, antigène K et prédateur sanguinaire, la fameuse capacité qui va lui donner des bonus en fonction des différents effectifs, et puissance démesurée. En gros, plus il y a du monde en face de lui, plus il est balèze, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je vais aussi essayer de tuer mes mecs assez rapidement pour qu'il n'y ait plus que Kojen à te poutrer la gueule. Ça va, c'est clair? Ah, je vais expliquer aussi un petit peu les gars. Ah oui, il faut que t'expliques, t'es passé vraiment très... Non, moi, ben ouais. Je te l'aurais dit en débriefing, t'aurais pris un blâme, mais tu vas pouvoir le faire après. Déchiqueteur des steppes, lui c'est 25 points, c'est pas facile de faire une compo avec Kojen parce qu'il faut 50 points, et donc à côté t'es quand même assez limité. Et un profil à 25 points, déchiqueteur des steppes, je sais pas comment jouer celui-là. Il est censé pouvoir faire 3 attaques par tour, mais ça ne lui est jamais arrivé au cours de sa vie, parce que en général, sur la première riposte, il se fait désinguer, le pauvre. Ouais, parce qu'à Eden, en fait, t'as 3 PA par personnage et t'as 2 attaques maximum. C'est-à-dire qu'une attaque coûte 1 PA. Ouais. Généralement, il te reste un PA ou pour te déplacer ou pour esquiver. Quoi. Ouais, et puis, bon, putain, on vient de découvrir qui c'était Poluxor 2A. C'est Paul d'Ajaccio. C'est Paul de Vizy. C'est pour ça que ça parle saucisson. Ah, et ce serait pas son premier sauciflard. Merci, ouais. Paul.
Mais les gens, ils ont des pseudos bizarres quand même. C'est trop dur entre les prénoms, les pseudos. Si vous pouvez nous expliquer vos pseudos, parce que c'est bien. Alors, compliqué. Paul, il va venir jouer avec nous, mais il vient de Corse quand même. Hein. Par contre, le saucisson, je dois avouer qu'ils sont au top quand même, les Corses. Déchaînement de crocs, donc ça, c'était les trois attaques. Il a un hurlement sinistre qui va te pénaliser tous tes joueurs sur une zone de 10 cm pour t'empêcher de jouer des cartes tactiques et des choses comme ça. Et là, dégradation métabolique, au début du tour, juste après la détermination du premier joueur, défausser un pion état du déchiqueteur, des steppes. En contrepartie, celui-ci gagne un PA. Donc je peux monter aussi en PA avec lui. Mais en enlevant un marqueur état qui va sur lui. C'est quand même assez. Toi, tu mets pas de marqueur état en plus. Sachant que toi, la particularité de tes gars, c'est quand on les blesse, ils deviennent plus forts. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on voit si je mets une carte comme ça sur la piste de défense plus 60 peut-être, parce que là, ça brille beaucoup. Ça brille comme ça. Alors, vous voyez, pour ceux qui connaissent pas Eden, il y a des capacités dans chaque membre et souvent. Les cannes sont plus forts quand ils sont blessés. Pas à l'article de la mort, mais vous voyez par exemple Kojan, il commence avec 4 en endurance et il passe à 5 quand il est blessé avant de redescendre à 4 quand il est dans le rouge. Mais effectivement, c'est la spécificité des cannes, c'est d'être plus violent quand ils sont blessés. Et le dernier membre de ma bande, donc lui c'est mon leader, c'est Kushi. Et Kushi, lui c'est un healer. C'est Kushi Kusha. C'est Fabien Kushi, il permet de soigner des dégâts et il permet d'en créer aussi chez ses amis. Oh. Justement pour emmener les cannes dans leur zone de blessure. Ça va, c'est clair? Bon, on repasse sur les miens alors en vitesse. On repasse sur les tiens en vitesse avant que tu ne prennes un blague. Alors, un petit loup, l'assassin, en gros, sa particularité à lui, c'est qu'il va. Ben déjà, comme il a des ailes, il peut passer à travers les obstacles et les ennemis. Donc normalement Eden c'est un jeu où tu peux pas traverser les unités, lui le peut. Il a assassinat, c'est-à-dire que lorsqu'il engage un type en face qui n'a plus de PA, il gagne deux de combat. Ouais, pas mal. Et réactif, petite capacité normale quoi. Normal. En gros il peut s'activer plusieurs fois. Normalement quand on active une figurine à Eden, elle est activée, tu peux plus l'utiliser tout le tour. Lui, tant qu'il lui reste des PA, il peut se réactiver. Ouais. Voilà. Pour potentiellement faire utiliser sa capacité d'assassinat. Tout à fait. Ikfaris, lui, en gros, son but, ça va être de fiabiliser les jets de dés. C'est-à-dire que lui, dès le début du tour, en fait, il va lancer 3 dés et il va mettre ses 3 dés sur sa carte. Mmh. Et après, via la portée de ses collègues, il va pouvoir échanger des dés qu'il a sur sa carte avec des dés jetés par le collègue. Donc ça te permet de fiabiliser tout ça. Ensuite, il a une capacité qui, lorsqu'un ennemi meurt à moins de 20 cm de moi, potentiellement j'ai un zombie qui peut popper à la place de l'ennemi. Et il est discret, donc on peut pas trop lui tirer dessus, mais là on s'en fout un peu quoi. Il y a Palco à côté, lui il a le champ perturbateur Nergal. En fait, je vais lancer un défi à tous les mecs à 10 cm de moi, tous les ennemis, ils vont faire un test de psy. Le psy, c'est l'une des capacités justement que Pierre vous a montré tout à l'heure. Et en gros, si le mec perd son psy, perd le test de psy, il perd un PA. C'est pas mal ça. Pas mal. Et champ de probabilité également, lui, il peut. En fait, lui, il va dire dans le jet que tu vas faire là, tu vas avoir 3 réussites. Si c'est le cas, si j'ai vraiment 3 réussites, je peux ou me rajouter une carte tactique dans la main, ou soigner 2 PC d'un pote, ou gagner 3 PS. D'accord. Pas mal. Et... Putain, personne n'osait lui dire. On peut plus. C'est trop long. C'est parfait. C'est ça. Non, les écoute pas. Et Tekiral, lui, peut faire des dégâts via une capacité au mec autour de lui et il met des patates. Bon allez, c'est parti, on va commencer avec le... Il y a une mission quand même peut-être, non ? Ah, ben, c'est là qu'on va décider, puisque effectivement il y a un premier jet de dés pour savoir qui va annoncer sa mission en premier. C'est un jet de dés ? Ouais, je crois, ouais. C'est après qu'on mise. C'est toi qui commence. C'est toi qui choisis. Parce que c'est après qu'on mise. Après on peut miser, mais le premier... C'est sûr de la mise ? Ah, c'est sûr de la mise aussi. Je crois, ouais. C'est sûr de la mise. Viens, on garde nos résultats de nos dés, mais on va savoir si tu veux miser avant. Moi, j'ai 10 points de stratégie. T'avais fait combien ? C'est moi qui l'ai gagné au dé. Moi, j'en ai 17 points de stratégie. C'est
Ça y est, on commence à être. Oui. On le met là ou pas? Non, on le met là. On le met là, en fait, je suis con. Donc, ça, c'est on a rien dit. Pour zéro. Donc, c'est moi qui vais annoncer Donc, c'est toi qui commence. Ma mission première. Moi, je vais jouer une protection du territoire. Donc, protection du territoire, c'est une mission révélée, c'est pour ça que je la montre. Déploiement affrontement, donc c'est à 10 cm de mon bord de table. Et à la fin de la phase d'intendance de chaque tour, comptez vos points de victoire comme suit. Si la somme des valeurs des combattants alliés situés à 15 cm ou moins du centre de la table est supérieure à celle des combattants adverses situés à 15 cm ou moins du centre de la table, vous marquez 25 PV. Donc c'est pile poil là. Ouais, c'est ça. Et donc 15 cm, c'est à peu près 3 cases. Ouais, 2 cases, 10 cm. 2 cases, ouais, c'est ça. 15 cm, c'est, enfin, c'est 5 cm par case. C'est pas bien, ouais. C'est bien ça. J'ai une image floue sur la gauche. Sur quelle caméra? Bonjour à tous, là. Ça fait une heure que vous parlez. Ouais, bonjour tout le monde, bonne année, tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On est combien de milliers de personnes? Là, on est 53 millions. 53 millions? Ouais. Donc, t'as montré ta truc? J'ai montré ma truc, ouais. Non, je montre la mèche, c'est ça. Gauche. Ouais, c'est ça. Ah, mais moi, je le dis pas, moi. C'est Morguiche, on l'a flouté, parce que... Moi, je le dis pas, j'ai ça, les gars. Mais regarde pas, toi. Donc, tu le dis pas, mais tu montres au viewer. Un clean plus, comme ça. Voilà, recule, descend, d'un côté. Donc, moi, c'est une mission cachée, ça. Donc, moi, je la vois pas. En gros. On va pas lire bien. Mais... Ouais, c'est bon. Allez hop. Il a niqué la caméra. Donc voilà, moi je me déploie en affrontement et toi? Moi aussi, affrontement. Bah allez, c'est parti. Donc c'est à 6 du bord, c'est ça? C'est à 10. 10 du alors, bord. Paul, Pierre, petite remarque, est-ce que tu ne devrais pas dévoiler tes cartes de stratégie? Non, est-ce que je devrais pas plutôt les cacher? C'est ça qu'il veut dire. Oui, ça c'est une de mes spécialités. J'ai effectivement. T'as appris combien toi du coup? J'en ai 4. Moi j'en ai 5. Ben c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour moi de me rappeler, mais normalement il faut les cacher parce que l'adversaire peut voir ce que tu as. En sachant que moi je prends toujours les mêmes, adrénaline, soutien. Il n'y a pas de suspense. Il y a très peu de suspense avec moi et j'ai du mal à gérer mes affaires, donc je préfère les avoir en visite de mon côté. Mais effectivement, normalement vous êtes censé les cacher. Donc il y a Roland qui nous dit que le bateau semble plus petit que d'habitude. Alors c'est la petite table. Ah oui, par rapport aux jeux auxquels on joue d'habitude, effectivement, là, Eden c'est du 60 cm par 60 cm. Et, du coup, quand je suis arrivé sur Paris, je me suis dit c'est parfait. Ouais. Comme on a des tout petits appartements. Ouais, c'est ça, c'est notre jeu d'escarmouche préféré. Et c'est vrai que les parties en général tournent en une heure et demie maximum. Donc ce soir, on ne devrait pas te coucher à 2h du matin. C'est cool. C'est cool, hein. Allez, déploiement à 10 cm. Allez, c'est parti. Bah, c'est toi qui commences à te déployer. Hein. Ouais. Tu veux faire ça tout en finesse. C'est pas une fille par une fille. Hein. Ah non. On peut dire à poil Momo sur YouTube. On peut. On fait quoi? À poil Momo. Ah ouais, pour une question de rapidité, on a déjà placé les décors. Ouais. Ouais. Ça, il commence déjà à se cacher. Je me cache pas du tout. Tu peux marcher là, c'est pas un décor. Hein. Ouais, je vais me mettre là aussi. C'est bon, t'as mis tes gars? J'ai mis mes gars. Les coups de poing, j'ai pas peur. Bon, j'ai pris des balles, les coups de fusil, j'ai pas peur. Pas grave. Ben, ça m'a l'air d'être une partie qui s'annonce tout en finesse. Les décors, on peut les virer. Hop. T'as pas une petite règle pour moi du coup? Non. Non, on va se la mettre au milieu. Hein. On va se la mettre au milieu. Ça va, donc maintenant. Maintenant qu'on est prêt, c'est remisage. Remisage. Rien du tout. Rien du tout. On scinde. C'est toi. Donc c'est moi qui commence. Ouais. Donc je vais activer. Déjà, je vais faire mon truc avec Ikfaris. Ouais. Prière numérique. Donc je vais payer un PS. Ouais. Alors, Raspapa nous dit qu'on est dans le brouillard. Alors, sur la caméra d'ensemble, là, ou c'est enfin. Raspapa, on t'écoute. Raspapa, dis-nous sur quelle caméra. Donc, j'ai jeté mes 3D. Ouais. Et je vais prendre les résultats. Ça, c'est au deuxième tour qu'il me le faut, ça. Ouais, tu m'étonnes. Donc, j'ai gagné 2-6 et 1-5. Donc, ça, pour fiabiliser les dés, c'est pas mal. Oui. Bon, on la change bientôt, cette caméra. Ouais. Elle arrive, la nouvelle arrive la semaine prochaine.
Maintenant, je vais jouer Yapalco. Mais pourquoi tu joues tous ces bonhommes? Ah, c'est, non, pas, lui, c'est pas une activation, d'accord. Lui, c'est pas une activation, c'est au niveau au début du tour, après la détermination du premier joueur. D'accord. Donc Yapalco, il va faire 10. Bah, Yapalco, il va se déplacer de là, ou 30. Hein. D'accord. Et il a plus de PA. Toi, t'as personne qui peut se déplacer de plus loin. Alors, moi, pour l'instant, j'ai X égal à 1. Donc, je peux me soigner un PC, mais je suis pas blessé. C'est mon bonus sur Cogène par rapport à la supériorité numérique. Je gagnerai un point d'action à partir du moment où X égale à 2. D'accord. Donc, quand j'aurai un mort de mon côté... Tu pourras potentiellement gagner un point d'action. Ok, d'accord. Ça. D'accord. Je vais activer Kushi. Combien de vitesse? 5, oui. Putain, le mec bluff, il m'énerve. Et je réponds en plus. Je sais très bien qu'il fait ça pour me faire chier. Je vais dépenser un point de stratégie. C'est une fois par tour. Tu le mets là. Désigner un combattant allié. Si tu as 10 cm ou moins de Kushi, cochez un PC dans le membre de votre choix de ce combattant. Kushi peut être désigné comme cible de cette capacité. Donc je vais commencer en cochant un point dans le torse de Kogen, ce qui va le blesser un petit peu dans le torse, mais qui va le passer à 5 de vigueur. J'ai jamais pris une volée par un homme. T'as compris ou pas? Bah ouais, ouais. T'as compris ce qui est en train de se passer. Ensuite, il va avancer une fois. Pourquoi tu racles ta gueule? Et il va avancer. Alors, une fois là? Ouais, tu rigoles ou quoi? Tu viens de faire plus de 10 déjà. Non, j'ai avancé une fois. Putain, le mec. Ça y est, ça commence. Plus là, 10 cm, c'est derrière la ligne. Là. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est derrière la ligne. On a dit qu'on était bienveillants en 2020, ah, oui. 2-2, Languiche. Ah, je croyais que c'était 10 cm, je croyais que c'était ça en fait. Non, je me suis trompé avec mon truc là. Ouais, ouais. Il te reste un PA, c'est ça? Non, t'as bougé de. Tu te démerdes, putain. C'est t'as vrai, bougé deux fois. Tu t'as bougé deux fois. Il nous emmerde celui-là. Écoute, tu joues tes bonhommes comme tu veux et tu nous fais pas chier, bordel. Et si tu me parles comme ça, je me casse. Tu vas pas être dans la merde là. T'as plein de moi ce soir. Voilà. Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et il lui reste, il lui reste 2 PA là. Ah oui, je suis con, c'est 10. Oh, oh putain, bonne parole. Quoi? Oui, bonne parole. C'était le putain, je suis con. Je pense que c'est. Non, mais je crois que c'était 10 par carreau, je suis un con. Oui. Non seulement t'es con, mais en plus t'as pas le compas dans l'œil. Quelle prise de conscience. Ah ouais, donc toi tu rajoutes ton bonheur. J'ai utilisé mes 3 PA. Ok, à toi. Puisque là, tu viens de jouer ton bonhomme que tu avais joué tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas joué. Je l'ai remis là. Ça va, j'ai pas de règles, on se démerde. Vois le budget ici, quoi. On a ça pour deux, quoi. Je vais jouer Ikfaris. Rapidité de combien? Rapidité 5. Je bluffe, vas-y. Tac. C'est dommage parce que tous tes dés, là, tes 5 et tes 6 que tu as fait, tu vas pouvoir te les fourrer dans le fion parce qu'au prochain tour, tu vas faire des 1 et des 2. Ça s'appelle le karma. Je vais me mettre là. Ou l'équilibre de l'univers. Avec Ikfaris. Et il me reste un PA. À toi. D'accord. Mais non, il me reste pas. Si, il me reste un PA. Il te reste un PA. Bah ouais. D'accord. Alors, moi. Salut Sanguinius. Salut Sanguinus, si tu peux me donner ça s'il te plaît. Moi je vais activer Kogène. Combien de vite? Je vais activer Kogène. Option, je fonds dans le tas, je réfléchis après, en espérant que les dés soient sympas. Attention, je vais pas activer Kogène, je vais activer le déchiqueteur des steppes. Vas-y. Ouh, attends, Kogène ça peut être pas mal aussi. Je veux faire sans choc. Tu veux choquer, hein? Ça coûte un peu à choquer, non? Un PA de choquer. Putain, c'est vrai qu'on a plus l'habitude de jouer sur des tables si petites en fait. Ouais, non, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Vous êtes déjà au corps à corps. On est presque au corps à corps. Je fais un petit calcul là. Faut que tu sois à 5 cm ou moins de moi. Salut Fabien. Et ça me pousse de 5 cm. Ouais. Donc ça ne fera rien toucher. Non, mais j'aimerais te sortir de la zone de contrôle. Il faut être à 100% dans la.
Faut que t'avances là du coup, parce que c'est pile poil à l'opposé de toi. Non, non, mais je regarde, mais ça te fera de toute façon pas sortir de la zone des 5 cm, des 15 cm, puisque c'est 3 carrés. Donc en fait, 5 cm c'est un carré. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure dans l'émission. Oh putain, on avance. J'ai bossé aujourd'hui, hein, j'étais pas en vacances, mec. Hein. C'est beau, c'est beau. C'est pas perdu, les amis. Ici, je vais faire 1, 2 comme ça avec Cogène. Et il va garder un point d'action. Mais là, déjà, il va imposer de sa présence. Donc Pierre, toi, ta mission, elle est ouverte, c'est ça? Ouais. Et en fait, je me rends compte que j'ai aucune idée de ce que tu as lu tout à l'heure. Protection du territoire. Moi, en fait, il faut que j'aie plus de... faut que je prenne le contrôle du centre de la map. D'accord. Et toi, Morgiche, ta mission est cachée. Sa mission est cachée. Mais tu peux peut-être donner des indices aux viewers. Je dois te défoncer, Cogène. C'est prioritaire, je vais te dézinguer. Je double les points par... si je veux. C'est vrai ou pas? Ah bah oui. Ah bah oui. Menteur. Allez, vas-y. On nous demande encore un retour de Boine. Il est où, Boine, d'ailleurs? Boine, il est devenu bouseux. Tiens, tu passes la règle. Il est du côté de... Il est là, avec nous, en live? Non, non, on nous demande à quand un retour de Boine, apparemment. C'est Pygmé, manque. Ah ouais, bah Boine, il est parti. Il est du côté de Poitiers, je crois. Ah oui, là. Ouais, donc il est au Futuroscope. Mais c'est effectivement un petit peu loin pour Boine. Mais on espère le revoir très bien. Je vais activer... Tekiral. Tekiral. Il va faire... Donc 10, 20. Putain, j'ai l'impression que la partie va être rapide. Pokémon, attrapez les touches. Non, mais il paraît que t'es un personnage qui ressemble à un personnage de Dragon Ball Z. Ouais, c'est vrai. Nickel. Bonjour. Celui-là, c'est pas petit cœur, c'est. T'as combien en vitesse avec lui? Avec qui? Avec Cogène. Cogène, j'ai. On a besoin d'un indice supplémentaire. Il me reste un PA. Vas-y, non, c'est bon. C'est plus qui avait fait la remarque. Alors ensuite, je vais... à quel personnage de Dragon Ball il ressemble? Celui-là, à Tekkeral. Lui? Ouais. Piccolo? Piccolo? C'est toi, pareil, Piccolo. C'est toi, Piccolo. C'est Piccolo. Je vais venir avec mon chien ici. Non mais mec, il va falloir qu'on... Ouais, il va falloir qu'on arrête de... Non mais faut qu'on prenne un peu de temps, parce que ça va durer 5 minutes. J'avais oublié que ce jeu était aussi subtil. Non, c'est clair, je pense que ça fait hyper longtemps. Non mais normalement, il y a un peu de subtilité. Allez, on fait une pause de 5 minutes. Bah attends, Pierre, ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué l'un contre l'autre? Bah je sais pas, je dirais que ça fait facile un ou deux ans. Ah, hein. Freezer, je te jure. Freezer, ouais. Ah, Freezer, mais oui, c'est pas Freezer du tout. Mais aussi Freezer. Ça y est, tu veux t'embrouiller avec les gens direct. Ouais, j'ai rien dit. Début d'année. C'est qui? C'est quoi son nom? Ouais. C'est qui dit que c'est Freezer? Ah, c'est Raph Papa et Paul Luzoxor. Ah bah c'est Paul. Ouais. Paul le Corse. Et salut Fred. On souhaite une bonne année. Bah, bonne année à toi aussi. Salut, bonne année Fred. C'est lequel Fred? C'est Fred Hautebourg. Salut Fred Hautebourg. Alors, lui, il va venir... C'est un nom de Hobbit. Il est de la comté. Il va venir là. Ah merde, par contre, quand je tire, je peux plus changer les caméras. Ah oui, non, faut que tu fasses attention. Hein. Ah non, non, non. Oui, si, vas-y. Ah oui. Ouais, mais la finesse, elle est top, là. Ah, j'ai l'impression que ça va être pas mal. Le deuxième tour va être pas mal. Attends, on peut faire une pause et parler de ce qui fâche, quand même. On a le temps, ce soir. Ah, de la pompe à bière? On en est toujours à l'aise. Ah, ouais. Momo. Donc houspillez Morgane, s'il vous plaît. Houspillez. Houspillez-le. Boum. Il y a une bonne excuse. Ça va être le Covid. Il est malade. Putain, on n'a pas joué les cartes tactiques, en fait. Bah, moi, j'ai dit que j'en jouais pas, mais là, au deuxième tour, je vais peut-être en jouer. C'est la fin du premier tour? Ouais, la fin du premier tour. Ok, c'est cool. Ça se joue combien de tours, ce jeu? Deux. Maximum. Là, on n'a jamais été au-delà. Potentiellement deux. Donc là, ce tour-ci, on a... 5, non c'est pas... 5. Moi, je marque pas de point de victoire, puisque tu as autant de points d'armée dans le centre de la table que moi. Voilà, parfait. D'accord. Bon. C'est ça qu'on dit? Ouais. Alors... Donc, le centre de la table, il y a des limites, ou c'est un peu comme on veut, là il y a... Non, le centre de la table, on voit, c'est le croisement entre les 4 dalles, et après, c'est 15 cm autour. Ah, c'est 15 cm autour. 3 carrés pour Morniche. Ok. C'est la castag. Donc là, ça réfléchit pour le tour 2. Est-ce qu'il y a des cartes à jouer? C'est ça, des cartes tactiques. Vas-y, on peut miser là. On peut miser. Je suis dégoûté de jeter ça, moi.
Pourquoi? Ah oui, ton 5 et tes 2-6, ouais, tu... Oui, tu peux les jeter, s'il te plaît, tu vas refaire ça. Et je te dis, cette fois-ci, ça va être une catastrophe. Attends, tu sais quoi, je prépare mon voix pour le son. Ouais. Ah, non, on n'est pas très, subtil. 2. Voilà, ça c'est un 6. Hein. C'est les dés de la SSL. Non, donc dés, tu commences. Carte à typo. J'ai vu Popit. Popit, il est là ? Ouais, je l'ai vu. Donc attends, je perds. J'ai vu Popit. Un PS. Ah putain, tu sais quoi ? Il y a Marcellus qui te défie de jouer. Oh là là ! Vas-y, non, tu disais quoi ? Tu disais quoi ? 1 et 3 sans Géo. Ouais, c'est sale. Ouais, j'avoue. Il était prêt. Marcellus, donc, Marcellus il dit qu'il faut jouer avec une faction avec laquelle t'as jamais joué. J'en ai marre qu'il joue. Ouais, ouais, mais après, ça me donne de la lecture, c'est compliqué pour moi quand même. C'est pas facile pour moi de. Oh, le GPRA! Ah oui, mais je t'avais prévenu en plus. Ça. Vas-y, vas-y, allez, joue ta carte tactique. C'est l'équilibre univers de l'univers, tu vois. Tu joues ta carte tactique? Ouais, je vais jouer une carte tactique. Vas-y, moi aussi. Toi aussi? Moi aussi. Moi, je vais jouer Adrénaline. C'est quoi? Qui est Adrénaline, c'est bien. Si tu connais pas Adrénaline, je peux pas. Même moi, je m'en souviens. Ça s'annule pas, non, c'est pas marqué annulable. Vas-y. Alors, c'est marqué, regarde bien. Désigner un combattant allié de type mutant, il gagne immédiatement un PA et un pur ralentissement. Alors, je vais mettre ça sur Cogen, qui va passer à 4 PA. Sauf que le pur ralentissement. Voilà, le pur ralentissement, lui, il le transforme en rage. D'accord ? Donc tu gagnes un je gagne un en vitesse plus un en attaque. C'est ça. Mais moins un en psy et moins un en vigueur. En vigueur, c'est ça. Je vais être un peu plus crunchy, mais je vais être un peu plus... Donc tu passes. Un peu plus punchy. Net. Ok. Parfait. Tu joues quoi, toi ? Moi, je vais jouer un... Il y a pas mal de personnes qui sont super contentes de revoir du Eden. Ah bah nous aussi on est super. Carrément, ça fait super plaisir. Nous aussi on est super contents. Je vais prendre une provocation. D'accord. Annulable pour 4. Annulable pour 4 ? Ouais. Je désigne un combattant allié. Ouais. Et un combattant adverse à moins de 10 cm l'un de l'autre. Ouais. Lors de son activation, s'il est libre et qu'il en a la possibilité, le combattant adverse doit effectuer une action d'engagement contre le combattant allié désigné. Et lui. Oh, okay. Qui ça on dit nous Tekiral. Ouais. Il veut un duel entre... Provoque Kogen. Il veut un duel entre Kogen et Tekiral. Parce qu'il y a une tapette qui veut pas avec moi. défi tu accepté. Tu l'annules ou pas? Non, je l'annule pas. Ok. Le défi est accepté. Alors, il y a Nicky Larson qui veut savoir en quoi ça consiste Eden. Ah. Des castagnes. Allez. Vas-y, les gars, expliquez. Momo, c'est l'expert d'Eden. Explique pendant qu'on... Non, Eden, c'est un... tu t'es rendu compte que tu m'as demandé d'expliquer quelque chose. Tu n'as pas lu longtemps quand même pour revenir à la raison. Je me suis dit, c'est peut-être la nouvelle année, mais non. J'ai pris des bonnes résolutions, mais pas à ce point-là. Alors, Eden, si, c'est un jeu d'escarmouche. Un jeu d'escarmouche par son format, effectivement, petit exactement. Format. 60 par 60. Moi, j'ai retenu. Chaque joueur joue une faction composée de entre généralement 3 et 5 figurines. Univers. Futuriste post-apocalyptique. C'est exactement ce que vient de marquer Laurent. Ah, très bien. Putain, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Très punchy. Ouais. C'est la castagne. Et en même temps, hyper tactique. Peut-être pas ce soir. Peut-être pas ce soir. Pas montrer les meilleurs. Non, après, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment différents types d'interactions. Les missions, tu les joues aussi fâchement en fonction de la. C'est-à-dire que chacun va définir une mission qui va définir en fait la façon de marquer des points de victoire. Ouais. Et donc ça, tu peux vraiment le jouer en réaction. je me tourne en plus pour regarder la caméra. Il y a un petit problème de synchronisation. Donc effectivement, tu peux vraiment jouer tes missions en fonction de ton adversaire et de ce que lui joue aussi en réaction. Par exemple, moi j'ai annoncé ma mission tout à l'heure en premier, donc Morgish a pu jouer une mission en réaction par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est petit format, petit budget, et puis très 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 bon jeu, avec plein de possibilités. Ouais, carrément. Ouais. Bon, t'es prêt ? Bah moi je suis prêt. Hein. Bon bah écoute, puisque tu m'as provoqué, on va pas tortiller du cul. On va pas tergiverser ? C'est ça. Je vais activer Kogen avec une rapidité de 5. Je peux pas t'attendre. Et la seule chose que je puisse faire, c'est t'engager. Vas-y. Donc je vais venir te charger. Vas-y. D'accord ? Écoute-moi, j'ai pas peur, moi j'ai pris des balles, des coups de fusil. J'ai jamais vu ça. Écoute-moi, j'ai pas peur. Oh putain, il est bon.
Alors, je regarde un petit peu. Ça, c'est fait. Ok. Bien, très bien. Alors, je vais faire un engagement. Ça, ça me coûte 2 points d'action. J'en ai 4. Hein. Et je vais te taper. Vas-y. T'es prêt? Qu'est-ce que tu fais, toi? Donc là, quand je déclare une attaque, lui, il peut choisir de riposter, d'esquiver ou d'être passif. En général, t'es plutôt passif, toi, comme mec. Hein, je peux dire, t'as combien de... Combien de quoi? De combat. Ouais, je pouvais pas le De base, j'ai 6, mais là, avec la rage, j'ai 7. T'as pas 7, c'est bon. T'as pas 7, mais tu fais quoi, toi? T'es passif? Je contre-attaque. Ah, tu contre-attaques. Wow. Donc, tu décides de contre-attaquer. Donc là, on jette un dé de 6 plus notre combat. Celui qui a le plus gros score tape en premier. Hop, 2. 5. Putain, cinq, putain. Tu vas prendre dans les chicots, Morgish. J'ai 7 dés. Vas-y. Puisque 6 en combat. T'as plus de bonus pour la charge dans ce jeu-là. Non, non. Il y en avait avant. T'as combien en vigueur? 4. 4. Donc, de base? De base, ouais. Donc tu passes à 3. Vas-y. Parce que Kogen te baisse ta vigueur de 1. Donc vous êtes prêts pour un one shot? Il faut le jet de lock. Donc il y a un jet blanc dans le. Un dé blanc dans le pool de dés. C'est la localisation. Le reste c'est pour les dégâts, c'est sur du 3+. Ah, c'est pas terrible. C'est pas ouf. Donc il y en a 4 dans les jambes. 4 dans les jambes. Vas-y, je prends. Bah oui, t'as pas le choix. si, j'ai le choix. J'ai une capacité qui me permet de relancer TG, okay. Mais en fait, ça me convient. Ok, vas-y. Ouais, donc pour rappel, c'est qu'il y a quoi? Il y a 4 localisations par personnage, ouais. Et les dégâts sont pris par localisation. Ouais, et tu crèves. Tu décèdes d'affreuses souffrances, ouais. Quand t'as une des localisations qui arrive à 0. 4, et j'ai une compète, donc moins 1. Sur chaque attaque, on jette un jet de localisation pour savoir où est-ce qu'on a mal. 4, 5, 6. Donc là, je réplique. Ouais. C'est sur du. Donc moi c'est sur du 4. Hein. Donc j'en ai donc 2. Y en a 2 qui passent dans le 5. Donc attends. C'est dans le torse. Nettoyage de nez s'il te plaît. Ouais, pardon. Ah, il y a un bruit pour ça, c'est vrai. 2 dans le torse, vas-y, montre. Montre ta carte. Allez, ouais, j'ai beaucoup de. Ah, t'es à 5? Ouais, je suis à 5 de vigueur. Quoi, je suis à 4 maintenant puisque j'ai la rage. Vas-y, 2 dans le torse. 2 dans le torse, c'est fait. Sachant qu'on a la possibilité effectivement de relocaliser en dépensant. Ouais, tu peux dépenser des réussites, pour changer la localisation. Ouais. Donc, ça c'était ma première action. Ouais. Deuxième action, tu fais quoi? Ben, je réfléchis. Parce que j'ai 4 actions. Non, c'était ça m'a coûté 2. Ça m'a coûté. Attends, il y a une question Kogen, first victory. Oh, ouais. Oh, alors là, attention, Kogen. Par contre, on n'a pas dû regarder les parties que j'avais faites avec. Ouais, je pense que c'est ça. Non, non, Kogen, moi j'ai gagné quelques parties avec. Pardon. On ça, fait chier à ça, c'est quand il ment. Fait chier à faire des boîtes à son. Non, tu peux le couper ou pas ça? On se fait chier à avoir des boîtes à son enregistrées. Non, mais ça, c'est sa bière qui a pas de goût. Ouais, c'est la jatte. T'as vu, quand tu l'ouvres, ça fait ça, bah, ça me fait pareil dans le nez. C'est ouf, hein? Non, mais allez, c'est pas la bière, c'est pas. Excusez-moi, c'est là, je l'ai. Excusez-moi. C'est Joe Lafuite. Excuse-moi, c'est Joe Lafuite. Ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est comment il s'appelait? Pierre Lafuite. Il n'y a pas ton nom? Joe Lafuite. Joe Lafuite. Bon, allez, tu retapes? On peut faire jusqu'à 3 attaques. Non, 2 attaques. Ouais, sauf avec ton chien, là. Ouais, avec mon chien. Tu sais quoi? Je vais le retaper. Ok. Je vais le retaper avec une 3ème attaque. Il passe toujours là. Et c'est toujours que je re-réplique. Tu re-répliques. Ouais. Le mec, il a pas compris de ses erreurs. Ah, oh là là. Oh putain, moi j'enchaîne avec un 6. C'est quoi ces G? Bon, bah écoute, on va donc ça, ce G pour savoir qui tape en premier. Hein. Ouais, c'est ça. 5, 7. J'ai toujours mes 7 dés. Non, 6, 7. 7 dés avec la rage. Sur du combien tu fais mal? Sur du 3+, toujours. 3+, et il faut que je lui mette dans les jambes, toujours, pour essayer de le finir. Là, c'est ça qui est compliqué. Et c'est là où je me suis dit, bon, faut qu'il fasse un 6, quoi. Et garde des... Oh non, il fait un 6. Ça fait 4, 1, 2, 3, 4, 5 dans les jambes. Non mais c'est pas possible. 2 fois dans les jambes sans déconner. Ouais, ça y est, commence à râler. C'est bon, tu prends. Attends.
Attends, je garde mes dés à côté. Fais quelque chose. Essaye de faire quelque chose. Il regarde son téléphone. C'est qui? T'appelles ton frère? T'appelles qui? T'appelles Gérard Majax? Qu'est-ce qu'on fait, Marius? Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone? Il est avec Warren. Tu dois relancer les j'ai réussi. Avec quoi? Il a fait un appel à un ami ou quoi? C'était quoi son truc là? Tu dois relancer tes j'ai réussi. C'est quoi ta capacité là? Interféromètre Nergal. 1 PS deux fois par tour. Vous pouvez activer cette capacité lorsqu'un combattant adverse situé au contact de Tekeral effectue un jet de combat. Ce combattant doit relancer une fois les réussites de celui de combat. Juste les réussites alors? Ouais, juste les réussites. D'accord, donc j'ai 6. J'en avais 5. 5. Allez, il en reste 4. Tu vas le refaire. Tu peux le faire deux sur fois. La même. Mais deux. Sur le même jet de dé. Tu peux le faire deux fois par tour. Mais sur le même jet de dé. Bah, il n'y a pas de raison. Dites-nous dans le chat s'il triche. Oui, non, tu peux. Bah, on dit plus de viande, plus de chocolat pour le moment. Ouais. Allez, prends tout. Tout passe. Bon, je suis mort. Mais what the fuck, voilà, ouais. Voilà. Tu m'as provoqué, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Grosse chatte en termes de localisation. Bah oui, c'est vrai, j'ai fait deux fois 6. Bien joué, ou pas. Merci. Oui, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, pour l'instant... J'ai une complète, hein. Ah là là, c'est dur ça. T'avais retiré ta complète? Pour les dégâts? Ah oui, tu m'en as mis 4. Ouais. 4 réussites et il m'en restait 3 dans la... Bon, bah, c'est la vie. Ok, bon. Il te reste un PA. Je vais le garder. Tu le gardes? Oui, parce que je sais qu'il y a un bâtard là qui attend que ça. Là. Donc, moi? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Je vais devoir réfléchir maintenant. C'était pas prévu. Il y a Norbert qui nous dit que c'est violent la nouvelle année chez les dingues. Ah, ben, le début de l'année chez les dingues, c'est violent. Ouais. Je vais activer Yapalco. Yapalco. Qui va utiliser 2 PS. Qui va faire un champ perturbateur Nergal, donc une fois par tour. Tous les combattants adverses à 10 cm ou moins de Yapalco doivent effectuer un test de psy en opposition avec Yapalco. Les combattants adverses dotés d'au moins un équipement de type tech souffrent d'un malus de moins de 1 psy. Pour ce jet, chaque combattant adverse qui échoue à ce jet perd immédiatement un PA. D'accord. Ok. Donc 10 cm, t'as le déchiqueteur des steppes. C'est un test de psy en opposition, donc moi j'ai 2 en psy. Yapalco, c'était laquelle entre nous? C'est lui. Donc attends, je calcule bien. Ouais, ouais. Tire. On a dit, regarde, compte les cases, Marlich. Vas-y. Bah, toi, vas-y. Donc attends, moi j'ai 6. Déchiqueteur des steppes, moi j'ai 2. T'as combien, toi? Moi j'ai 5. Non, mais pourquoi tu jettes tous ces dés-là? Non, j'aurais dit. C'est un dé. Hein? Donc, là, je perds un PA. Je perds un PA. C'est ça. Donc lui, il aura que 2 PA cette fois-ci. Écogène. Il veut me sucrer mon dernier PA. Bah, si je peux, hein. Ah, 6 et 6, ça tu me le sucres, ouais. Bah oui. Plus de PA sur Cogen. Plus de PA sur Cogen. Ça veut dire qu'il peut potentiellement prendre un petit assassin dans la mouille. Du coup, j'ai fait ça très bien. T'as fait ça très bien. Ensuite. Vas-y, tu peux montrer la carte de ton chat là? Mon chat? Ah, il a 6 de. Quand même, hein. Vas-y, tiens. C'est vrai. Merci. Bah ensuite, donc là, il a rien utilisé, hein. De PA. Il va utiliser un PA pour se mettre là. Ouais. Et il va en garder 2. Tu peux me passer le montre. Ouais. Donc il me reste 2 PA. À toi. Ok. Donc pendant qu'ils réfléchissent, on peut dire aux tipeurs de penser à voter pour le... Ouais. Et à tiper aussi. Et à tiper aussi. Voter. Tous les nouveaux tipeurs, ouais, ce soir, on vous enverra le lien vers le sondage des dingues de jeu pour déterminer l'avenir de la chaîne, en tout cas des prochains mois, puisque c'est vous qui décidez de la programmation. Alors, je vais activer moi ensuite notre ami Kushi. Si vous voulez choisir, bah, combien de tipez ceux qui n'ont pas encore fait de vitesse ton Kushi? Il y a que ça? Kushi, il a 5 de vitesse. 5 de vitesse? Ah ouais. Bah vas-y. Ouais.
Je peux pas. 5 de vitesse, Kushi va venir ici. Oh putain, je m'y attendais pas le TK là. Ouais, ça a fait mal. Ensuite, je vais faire pour 1 PA. Merci, Poulet. Pour 1 PA, je vais utiliser eau cicatrisante. Désigner un combattant allié situé à 5 cm ou moins de Kushi. Il effectue un test de vigueur de difficulté 2. S'il n'obtient que des réussites, soignez 2 blessures de ce combattant dans le membre de votre choix. Sinon, soignez-le, soignez-en une seule. Donc, je vais faire sur Kogen. J'ai 5 dés. Il me faut que. Parce que j'ai 5 de vigueur. Et donc, en fait, il faut que je fasse que des 2. Ah oui, pardon, c'est 4. Oh. Mais ça, c'est à mon avantage parce que c'est plus tu jettes 2 dés, moins tu as de chances de réussir. Il me faut pas de 1 là. Si je fais des 1, je soigne qu'un point de vie. Si je fais que des 2 ou plus. Ah putain, elle fait clochette. Je soigne qu'un point de vie. Donc, ça, tu peux nous lire le dernier message du live, s'il te plaît. C'est quoi? À haute voix. Il sait pas lire. La pompe à bière, non, ça concerne la pompe à bière. C'est un con. Est-ce qu'on met, c'est un con. C'est quoi, vas-y. On sait pas. On demande où elle en est, la pompe à bière. Non, il a raison de demander. Bah oui, il faut. Donc là, j'en suis à 2 PA. Ensuite, je vais faire un apaisement. Reste 1 PA quoi. Ouais, mais ça coûte qu'un PS. Désigner un combattant situé à 15 cm ou moins de Kushi. Ce combattant effectue un test de psy difficulté 5. Je vais te faire ça. Ton assassin là. 3. 3 de psy. Donc je vais désigner lui. Je vais payer mon PS. Tu vas me faire un test de psy de difficulté 5. La prochaine fois que votre adversaire veut activer ce combattant ce tour-ci, il devra payer 3 points de psy. 3 points de stratégie moins 1 point de stratégie par réussite obtenue au test de psy précédent. Ça coûte combien ça de psy pour toi? 1 PS. Ok, donc là j'ai 3 dés. J'ai 3 dés, je dois faire 5 plus. C'est du 5 plus. Ouais. Salut José, salut rien. Didier. Je vais utiliser ça. Ouais. Un dé pour changer. En gros, je jette un dé de ma carte de Ikfaris. Ouais. Soit je relance un seul dé du G. Ou alors j'intervertis les deux dés. D'accord. Donc soit là, je remplace un G, soit j'en relance un. Donc là j'en relance un. Ouais. Toujours pas. Toujours pas. Bah, Donc ça veut dire que tu devras payer, pour l'activer celui-là, tu devras payer 3 points de stratégie. Vas-y, ok. C'est pas mal ça, hein. Et donc là, j'en suis à 2 PA, il va garder son dernier PA. C'est pas mal ça. Alors José demande si on peut voter tous les jours comme pour le All-Star Game NBA. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors oui, tu peux voter tous les jours, et comme au Ballon d'Or, on fait le tri. On trichera. De toute façon, on s'en fout de nos jeux. C'est José Belleville. C'est José Belleville. Ouais. Alors José sera avec nous en live la semaine prochaine, les amis. Salut José. C'est un des dingos qu'on invite au bar. Donc à moi. Il est au courant du protocole. Je vais charger. Non, je l'ai dirai demain. Je vais activer un petit lot. Un petit lot. Et rapidité de combien? 4. 4? Ben, je peux pas l'interrompre. Donc il va t'engager. Tu payes 3 points de stratégie pour ouais. ça. Hein. Ouais, il a déjà oublié. Ah, il a hâte de venir jouer. Ah, ben, ça fait plaisir. Il sait pas ce qu'il attend. Ouais. Tu vas jouer à Dust contre Momo. Ah, donc c'est vraiment pas ce qu'il attend. Ah, je suis super chaud. Comme tu n'as plus de PA, je gagne 2 PA. 2 d'attaque. Deux d'attaque. Donc je suis à 5, 6, 7. Je peux prendre cher. 4, les 5, amis. 6, 7. Donc je dois faire du 4 plus. Alors qui tape qui là, j'ai activé mon assassin sur Kouyani. Kouyani. Qui est déjà blessé au torse. Dans le torse, mais je lui ai soigné un dans le torse déjà. 4 plus. Ouh. J'en ai 3 qui passent pas. Ah. Le 5 c'est où? C'est le torse. Donc c'est pas bon pour moi ça. T'en passes 4 c'est ça là? 4. 1, 2, 3, 4. Je passerai à 4, à 3 de vigueur parce que 1, 2, 3, 4 et 1 de la mort. Ouh. Attends. Donc je vais faire ça. Pour changer un dé. Et le relancer. Et le relancer. Non. Attends. Je vais le refaire. Ah non, tu peux pas le faire. Hein. Ah, en fait, je dois payer. Ah ouais, ah oui. Ah oui, c'est un petit détail ça. Ah non, je paye pour ma prière numérique, pas pour changer les dés. Et donc je le refais. Tu peux le refaire combien de fois ça? Mais j'ai plus de dés. Jusqu'à temps qu'il soit mort.
Allez, 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 allez. Pardon. Hein? Tu laisses tout dans le torse? Tout dans le torse. 1, 2, 3, 4, c'était. Hein. Ouais. Putain. Donc tu passes à combien dans le torse? À 3. Non mais t'inquiète, hein, mais je rattaque les gars. Bah ouais, je sais que tu rattaques. 1, 2, 3, 4, 5. Là pour le coup, j'ai que... Je perds mes... Ouais. Mes deux. Ah putain, je me suis trompé. Il est tout petit peu décalé quoi. Quoi? Non, 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 non. Oh là 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 là. Dans le torse, il est mort. De toute manière. 4. C'est le torse 4? Ah, 4 c'est le torse, ouais. Ouais, de toute façon, il m'en passe 2. Ouais. Je ne peux rien faire. Donc effectivement, Cogène vient de décéder. C'est réponse du berger à la bergère. Et ça, c'est 50 points. Ouais. Donc, il a tout perdu. T'as tout dépensé. Je gagne 100 points déjà de points de victoire. T'avais vraiment joué ça? Bien sûr. Ouais, pardon, mais ouais. T'as la version bis pour lui. Ouais, pour la version bis. À toi. Ça va venir vite. Donc lui, il a plus de paire. Ouais. Donc lui, là, il a plus de paire. Là. Lui, si, il lui en reste deux. D'accord. Peut-être envoyer un petit déchiqueteur sur celui-là. Donc on vient de dire que c'était sa mission, là, c'est ça? Ouais, et il dit que c'était sa mission. Je sais pas s'il bluffe, mais... Sachant qu'on doit la relever à la... révéler... C'est la provocation, ça. Ah, d'accord. Que je t'ai envoyé. Ouais, mais on sait pas s'il bluffe, mais je pense qu'il bluffe. Non, parce que remarque, il a joué la provocation, donc c'était peut-être ça. C'est peut-être ça, il faut que je réagisse parce que là, du coup, j'étais en supériorité numérique et là, je sais plus du tout. Là. Ok, ok, ça marche. Eh bien, écoute, je vais activer mon déchiqueteur des steppes avec une rapidité de 4. Voilà. Salut, salut Guillaume, salut Alex. Donc, tout le monde est super content de revoir du Eden. Hein. Ouais. Ils sont tous super chauds sur le... Il y a combien de gens là sur internet? 58 millions. Ouais. 58 millions. Bienvenue les gars. Alors, Alfie, un petit sondage rapide, vous êtes pour qui? Moi? Non, pas toi. Les... Moi, je suis pour moi. Les téléspectateurs. Ah. Tiens, moi, j'aime bien que tu me donnes. Moi d'ailleurs, putain, bande de chiens, tout le monde était contre Ténin la semaine dernière. Hein? Non, non, moi j'étais pour Ténin. Ouais, mais en fait. Non, t'as changé le truc. Ouais, parce que. T'as tourné ta veste à la fin. L'armée de Halfling. Non, c'est pas le bon jeu. En fait, moi j'ai réfléchi. J'étais pour les nains, mais pour pire. En fait, c'était toi qui me posais un problème, c'était pas les nains. Putain. Non, c'est vrai, je me suis dit non, mais moi je préfère les nains. Si on fait mille, je préfère le premier. C'est bon, hein? C'est bon, je peux jouer? Ah, vas-y, joue. T'as que deux PA avec lui, attention. Ouais, bah j'ai noté. Tu bluffes Martoni. Tu bluffes Martoni. Tiens. Salut l'équipe, salut Mélina. Tu m'actives lui, vas-y, ok. C'est Ben. Non, je sais. Ah, mais c'est Ben, j'ai pas lu. À chaque fois, on croit que c'est Ben. Salut Ben, alors. On est tué entre couilles encore ce soir. Roland, il est neutre. Et Paul, il est pour Pierre. On a un Suisse. 6 d'attaque. C'est qui le Suisse? C'est Roland. Il dit je suis neutre. Ah ouais. On a quelques Suisses avec nous. 2, 6. Ok. T'as plus rien, toi. Non, je vais pouvoir te croquer là. Il faut que je sois violent. T'as combien en endurance? Il y en a qui dit Team Pierre, c'est celui qui m'a appris à jouer. Ah. Non, mais lui, il a faim. Ça doit pas être facile dans sa vie. Il a faim. C'est peut-être pour ça que j'ai gagné très peu de parties d'ailleurs. Ceci, je comprenais pas non plus. Allez, arrêtez de dire des vacheries. Oh putain, c'est quoi ce jet pourri? T'as combien? T'as qu'un? T'en as deux qui passent. Ouais, il est ça, content. C'est ce qu'on n'a pas dit sur Eden. C'est qu'effectivement, on a quand même l'habitude de devoir jouer avec les Gannes. Mais ouais. Des factions, je sais pas combien il y en a. Il y en a. Non, je joue les Anges de Dante aussi. Au moins une dizaine. Tu peux passer ton truc, tu le laisses dans le 4? Ouais, je laisse dans le 4. J'ai déjà répondu à ta question deux fois. Tu m'énerves, tu m'as tué Cogène. Il est cogène. Ok. Ok. Il a combien en vigueur, lui? Ton clébard. Pour une fois qu'on parle pas de nos comptes bancaires. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont des belles montagnes. Et putain, je suis con, je viens de les effacer. Tu m'en avais mis 15, c'est ça? Non, mais t'es sérieux, toi? Ouais, je déconne. Putain, j'ai perdu 35 points en un coup. Premier tour, 35 points, toi, 50. Moi, 50, ouais. Donc du coup, là, tu marques combien de points, là? J'en marque, moi? Non, j'en marque pas. C'est mission. Non, non, t'en marques pas. Toi, c'est marques combien, toi? Moi, je marque rien, puisque t'es en supériorité numérique. Quoi, t'as plus de points sur les 15 cm du centre que moi, donc je marque rien. C'est en combien de tours, déjà, Eden? Ouais, c'est 5 tours, non. Bah, moi, c'est 5 tours. Moi, dans une vidéo que j'ai vue de vous, c'est vous disiez 5, après, je sais pas. Bah, non, c'est 5 tours.
Donc attends, et tu marques combien si t'es au-dessus de moi? Ouais, c'est bon, allez, ferme ta gueule, j'ouf. Bah, ça fait partie du jeu. Non, mais il m'énerve. Tu peux me relire ta mission, s'il te plaît? Oui, bah, c'est ça, je marque rien. Non, mais quand t'es au-dessus... Bah, je marque 25 points. 25 points. Par toi. 25 points de victoire. Il va me dire, ouais, mais c'est déjà trop tard. Là, j'ai déjà gagné. Ouais, mais on va continuer de jouer. Je vais te table raser juste pour que tu rentres chez toi la queue entre les jambes. Ok, voilà. Très bien. Bon, new turn, en mise. Ouais. Est-ce que Jirio est avec nous ce soir? Ah ouais, c'est son beau Cogène. Il était joli, hein. C'est Jirio qui nous avait peint, nous a peint Cogène et le déchiqueteur. Pas vu. Toujours pas. Moi non plus. Miser, c'est pour les nus. Miser, c'est pour les faibles. Surtout le quand t'as la fée clochette. Il y a des gens qui sont pour le matriarcat. Grégory. Je joue le matriarcat. Hey, je joue l'ordre vert aussi, l'ordre blanc de temps en temps. Moi aussi, j'ai joué l'ordre vert. Quand il dit je joue, c'est qu'il a les figues dans un placard. Non, moi je joue. Mes peintes. Non, même pas. Elles sont même pas finies d'être peintes. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais c'est pas ça. Ça, c'est pour c'est quoi? Basé, mec. Non. Ok, c'est bon. J'ai compris. C'est moi qui joue en premier. Du coup, un PS et je vais lancer mes 3D pour mon petit truc là. Et là, ça va être, tu vois, là, ça va être des porcs quand même. Là. Ça va. Ça doit être n'importe qui ça. Ah merde, carte tactique d'abord, tu joues une je sais tactique. Bien, c'est le truc de rage avec Cogène. À chaque fois, quand je leur descends à 4 en vigueur, ils crunchent trop rapidement. C'est bah ça ouais, le problème. Je sais pas pourquoi t'as fait ça. Bah, parce que j'avais envie de taper fort. D'entrée. Non, mais c'est l'histoire de. Parce que j'avais gardé un point d'action pour pouvoir. Pour pas qu'il puisse utiliser sa capacité d'assassinat. Et il l'a enlevé avec son putain de truc là. C'était pas mal ça. Hein. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Mais t'as eu de la sacrée chatte avec ouais, la localisation à 6. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Tu joues une carte tactique, s'il te plaît, Pierre? Oui, je vais jouer une carte tactique. Du coup, je vais jouer soutien. Ça fait quoi? Je vais donner plus ça en vigueur à mon chien. Ça vient d'où, ça? Parce qu'il va en avoir besoin. Quoi, ça. C'est annulable? Non, c'est pas annulable. Ça fait quoi, déjà, pur ralentissement? Pur ralentissement? Je perds un PA au prochain tour. Pas mal, ça. Bah, je vais jouer ça, moi. Résonance psychique. Tu peux l'annuler pour 4, si tu le souhaites. Ça fait quoi? Explique-moi. Tous les combattants alliés de type alien peuvent utiliser la valeur psy du chef de sa bande. Tous les combattants présents sur le terrain doivent immédiatement effectuer un test de psy de difficulté 5. Ouais. Ceux qui n'ont pas obtenu au moins une réussite doivent immédiatement reçoivent un pur ralentissement. Ouais. Ah, troll, il est passé sur le grand écran, c'est mieux. Bah, de toute façon, la caméra qui est... un peu en dessous des autres, elle va être changée bientôt. Ouais. Alors, bah écoute, non, je vais te laisser faire. Un pur ralentissement, c'est ça? Ok. Attends, faut faire le test. Faut que je fasse un test psy. Mais il faut que tout le monde le fasse. Et moi, j'ai 5. Sur tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Un test de psy, difficulté 5, sauf que moi, je peux utiliser la valeur du psy de mon chef. Donc, un petit lot. Donc, mon assassin, avec des ailes. Non, c'est loupé. Il réussit. Ah. J'ai pas compris. Donc il a pas de pur ralentissement. Il a fait un jet de merde, mais... Il a pas de pur ralentissement. Icfaris. De toute façon, pur ralentissement, c'est pour le prochain tour ou c'est pour ce tour-là? Non, c'est pour ce tour-là, je crois. Donc, Icfaris. Et je vais pronostiquer avec Yapalco. Icfaris, il va avoir deux réussites. Ok. Mais il fait des pronostics. J'annonce. Une, deux. Oh putain, bravo. Donc je vais soigner mon assassin. Incompris, c'est quoi ça? En fait, c'est le champ de probabilité. Tu fais des paris. Un PA, un point d'action. Un point d'action, une fois par tour. Juste avant qu'un combattant n'effectue un jet de caractéristiques. Vous pouvez activer cette capacité à ce moment. Pronostiquez le nombre de réussites de ce jet, puis effectuez-le normalement. Si le nombre de réussites, après les éventuelles relances ou trucs comme avec Monique Faris, là, est égal à votre pronostic, choisissez appliquer les effets suivants. Soit ajouter une carte tactique de votre choix dans la main, soit un combattant allié de votre choix situé à 15 cm au moins et soigné de 2 PC dans le membre de mon choix, soit je gagne 3 PS. Putain, le père, j'ai pas ce point. C'est un livre ton truc, tu vois, pourquoi je joue pas les... C'est trop compliqué, je suis d'accord. Films. Donc je soigne un petit... Il y a Paul qui dit que tu prends le pion, mais tu perds un PA au tour d'après.
Donc je, ouais. Je fais un test psy, tu fais le maintien. Il me manque Chapalco, qui réussit grandement. Hein voilà, donc j'ai pas de pion pire, de pion, voilà. Ok, donc moi je vais essayer avec mon déchiqueteur d'Elmstep qui a un psy de 2. Ouais. Oh, double 6 le chatouille, quoi. C'est facile ce jeu pour moi. Et l'autre, c'est Kushi qui a un psy de 4. Lui c'est aussi bon. Réussit. Voilà. T'as d'autres choses à faire pour nous faire perdre notre temps ou on y va là? Bah, je me suis soigné moi, donc ça va. Ok. Ah oui, tu t'es soigné par la même chose. Alors peut-être que mon déchiqueteur des steps va pouvoir faire 3 attaques. Cool, enfin! Ce serait beau ça. Eh ben écoute, c'est à moi de jouer. Je vais activer. Est-ce que j'active le déchiqueteur des steps d'ailleurs ou plutôt. Non, je vais faire ça. Je vais activer mon déchiqueteur des steps. Putain, j'ai oublié de faire mes trucs. Ouais, bah j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. C'est vrai que c'est compliqué. J'ai oublié de faire ça, mais t'en parles pas, t'assumes tes conneries, bordel, c'était un bonhomme. Pourquoi t'as... Parce que tu sais déjà que t'as perdu au deuxième tour, t'es là. Non, j'ai pas perdu encore. Bah si, mathématiquement parlant, si. Je t'attaque, tu fais quoi? Qui attaque qui? Lui, ici, le déchiqueteur des steps attaque le bâtard. Combien de combats? J'ai 6. 6. Bah je riposte. Tu ripostes, ok. Moi je suis chaud. Ouais, ok, il est chaud, très bien. S'il est chaud, on y va, c'est là qu'a gagné. Tu tapes en premier. Et putain, voilà. Mais il a tapé en premier depuis le début. Mais j'ai pas des jets terribles, mais je perds quand même. Je gagne quand même, c'est ça qui est dingue. Donc là tu tapes sur du quoi? T'es prêt, chuchote? T'as un shot? Endurance 4. 4. Vigueur de 4. Donc là c'est sur du 4 ou plus, fais clochette avec moi. Oh merde. 2 dans le 5. 2 dans le 5. Tu le gardes? Bah oui. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5. T'as combien de vigueur, tu m'as dit? J'ai 5 puisque j'ai un soutien. Oh oui, c'est de la merde. C'est de la merde. Ça fait 2 dans les pattes. 2 dans les pattes. Putain, c'est œil pour œil. Alors attends. Du coup, tu passes à combien là? 5 de vitesse. Je vais utiliser un 4 que je vais relancer. J'utilise un dé pour lancer celui-là. Non, toujours c'est pas. 2 dans les pattes. Ça marche bien ton pouvoir, je trouve. Bah écoute, ouais, il a pas servi à grand chose. Je te réattaque. J'esquive. Oh. Pourquoi putain, pas. Innovation. Pourquoi pas. Ça marche comment l'esquive, explique-moi. Alors, il va jeter autant de dés que sa rapidité. Ouais. Et il va essayer d'égaler mon score d'attaque, qui est 6. Qui est 6 pour annuler. Donc je contre-attaque. Ah non, je contre-attaque. Ouais. 5. Et t'as pas un premier là, t'es mort. L'égalité. Toujours moi. C'est toi. Oui, mais c'est ouais, moi. C'est moi qui ai la plus grande de base. Ouais, donc, c'est moi qui ai la plus grosse. Donc c'est moi qui ai la top. Oh putain, c'est pas la même. Dans le 6 en plus. Ouais. Je t'en passe 5. Combien? Je t'en passe 5 dans le 6. T'es mort? Donc 5 dans le 6, j'ai une protection de jambe plus 1. Ouais. Donc je suis mort. Oh, oh putain, le déchiqueteur des steps qui déchique. Ensuite? Ça me fait 2 PA. J'ai utilisé 2 attaques. Là, il t'en reste une. Je peux pas recharger. Est-ce que je pourrais faire un petit truc avec lui? Hurlement sinistre. Tous les combattants adverses situés à 10 cm ou moins du déchiqueteur des steps sont affectés durant la prochaine phase tactique. Les combattants affectés ne peuvent pas bénéficier des effets ni être ciblés par une carte tactique. C'est pas mal ça. C'est pas mal, je vais faire ça. Un point de stratégie. Et au début du prochain tour, pas de carte tactique. Pour moi? Pour toi, ouais. Pour aucun des mecs là, puisqu'ils sont tous les deux à 10 cm. Ok. Il y a Game of War Studio qui pensait que je mors. Mais non, John, c'est pas mort tant qu'il y a des gens qui y jouent. Presque en même point à 50 du coup. Le jeu il vit. Donc à moi? Ouais. Ikfaris il va le charger lui. D'accord. Hop. Tu fais quoi? Je vais riposter. Eh oui. Putain, le bâtard c'est vrai, j'ai zappé. J'ai zappé, tu pouvais taper 3 fois. Ah oui, c'est ça, tu avais zappé. Je peux revenir. Vas-y. Allez, hop. T'es prêt à te faire bouffer? Ah ouais, vas-y, j'avais tapis. Complètement zappé. Oh là 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 là. Non, mais bah attends, il va... Je vais gagner. Je vais finir par la gagner. Je vais finir par la gagner. T'as combien en endurance avec ta croix? 3. J'attaque. Je vais te déchiqueter. Dépêche-toi. Clochette. Pomp. Il y en a que deux qui passent pas. Ça fait quand même 4 dans le torse, là.
Il est mort. Non, je déconne. 4 dans le torse. Je m'en fous. 1, 2, 3, 4. Il est pas mort, mais il est passé à 1 de la mort. Il est à 2 bigas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je dois faire du 5. Ouais, toujours. Là, c'est pas mal. 2. Dans le 3. Le 3, c'est là où je t'ai tapé. Non, c'est des bras. Enfin, la plutôt quoi, les jambes. La plutôt que d'habitude, parce que là, tu m'avais tapé le 6 tout à l'heure. Donc, je vais relancer mon 4. Ouais. Quoi, tu vas relancer ton 4? Ah, c'est mieux. Ouais. Ça marche vachement bien, tes bras. Il a pas marché une seule fois, mon truc. Ouais, ça va, Cosette. Je me fais 2 dans le 3, c'est ça? Vas-y, le 3, c'est quoi? Bah, c'est les bras, toujours. Hein. Non, j'ai déjà répondu. Vas-y, monte ta carte, s'il te plaît, deux secondes. Putain, mais tu je comprends rien à ta carte, là. Non, il est plus faible, quoi. Ah, il est plus faible. Ah, c'est cool. Donc, je retape. Là, j'ai plus rien, cette fois-ci. Vas-y, fais-toi plaisir. Aïe, 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 c'est pas terrible. Une réussite dans le torse. Donc, t'as pas le choix, tu peux pas me... Ok. Yes, oui, toujours là, en vie. Vas-y, à toi. Lui, il a pas joué encore, hein. Non. Je le sens bien venir faire un petit duel avec Kouchili, non? Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, je peux peut-être soigner mon Yash avant. C'est du psy en plus, là. C'est quoi, c'est du psy? Oh, cicatrisant. C'est un PA. Avec Kouchili? Parce que là, maintenant, je suis en supériorité par rapport à toi. Hein. Ouais. Ouais. Mais là, on est au troisième tour. Je vais marquer 25. 25 et 25, 50. 75. Moi j'ai déjà 100 points. Ouais, il est déjà 100 points. Un petit message perso, Pierre, pour toi. Même de petite taille, encore une bien belle. Table. Non. Ah, bah, je vais m'arrêter là. Il a combien de vitesse déjà, lui? 5. Oh, pas mal. Putain, le one shot du. Ouais. Même avec la chatte, il a perdu. C'est un truc de dingue, quand même. Je vais faire ça. Je vais essayer un. Je vais dépenser un PA. Tu vas le penser, toi. Pour faire une eau cicatrisante. Vas-y. C'était quoi déjà ça? C'est un PA. Je vais faire un test de vigueur. Et si j'arrive à faire des D ou plus, et encore des 1. Donc je soigne qu'un PA, qu'un point de constitution plutôt dans le bras. Ok. Ok. Ensuite, ça c'était son premier PA. En fait, le plateau ne sert plus à rien là. Faut plus que je t'ai aidé. C'est un peu ça. Tu veux qu'on la joue pile ou face ou pas? À part bah, Zoraloa. Elle a win? Non, non, non. Il a combien en psy? Ils ont 5 les deux. 5 les deux. Bah, c'est les têtes. Hein. Je vais dépenser un point de stratégie pour te faire un apaisement sur lui. Ça fait quoi? Ça fait que tu fais un test de psy difficulté 5 et tu vas déduire ton nombre de réussites de 3 pour savoir combien ça te coûte de l'activer. C'est pas une fois par partie ça? C'est une fois par tour. Putain, c'est balèze ça. Eh ben, il n'y en a pas une seule. Vas-y. Donc ça te coûtera 3 points de stratégie de l'activer. Lui? Ouais. Ok. Tu t'en restes 3, c'est ça? Ouais. Tu les brûles toi, hein? Bah, je fais ce que je peux, ouais. Eh Mardi, je sais pas ce que t'as fait aux gens, mais personne n'est pour toi. Bon, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, j'ai déjà gagné, donc les mecs. C'est dommage, hein. Et ensuite, je vais rester là. De toute façon, c'est des tocards. Ok. Je passe. Alors, si tu passes, c'est la fin du tour. Yep. C'est la fin du tour, ok, ça marche. Vous pouvez faire un petit point pour les gens, savoir exactement où on est tout au niveau de vos persos qui restent sur le terrain. Alors là, moi, il me reste plus que Kouchi et le déchiqueteur des steppes, c'est-à-dire 50 points. Et toi? Et moi, il me reste Yapalko et Ikfaris, donc 45 points. 45 points. Donc je gagne de 5, ça veut dire qu'à ce tour-ci, je marque 25 points. 25 points, ouais. Parce que je contrôle le centre. Yep. Je reviens dans la game. Morgish, on sait toujours pas, il dit qu'il avait pris cible prioritaire sur Kogen. J'ai été faire peur. Mais peut-être qu'il bluffe. C'est peut-être du bluff. Est-ce qu'on vous propose une pause? À chaud. Ah, je pense que c'est bien de faire une pause. On est à peu près à la moitié de la partie. Ouais. Oui, on est facile à... Pause. Alors, changement dans la pause. Ouais. Changement dans la pause. Ah oui. Changement dans la pause. Pause. On annonce. Alors pour la pause, plutôt que de vous mettre le compte à rebours classique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite vidéo pour vous présenter un des membres de la team des dingues de jeu. Puisque vous savez, on est assez nombreux maintenant dans l'équipe des dingues de jeu.
Et il y en a que vous avez le plaisir et l'honneur de voir autour de la table et dans le studio des Dingues de Jeux assez fréquemment. Mais il y en a qui ne sont pas là avec nous parce qu'ils sont, ils vivent loin de nous. Mais... ils sont un peu moches. Donc... oui, aussi, oui, mais... donc, ils sont forts. Oui, c'est ça. Ouais, donc ils sont... et puis, ils ne se comportent pas toujours très bien, donc ils ne sont pas forcément invités au studio des Dingues de Jeux. Non, bien évidemment, ils sont tous invités au studio des Dingues de Jeux, mais parfois, ils vivent loin. Donc, ce soir, on va vous présenter Franck, qui habite dans le sud-est de la France et qui est un des peintres des Dingues de Jeux. Donc, pendant notre petite pause de 5 minutes, on vous présente Franck. Salut, Franck. Salut, Pierre. Ça va? Tout se passe bien de ton côté? Bah écoute, nickel. Et toi? Ça va très bien. Donc on va essayer de te présenter à tous les abonnés, tous les dingues de jeu à travers le monde. Tu fais partie de l'équipe des dingues de jeu depuis l'été dernier. Donc c'est pour ça. Ceux qui verront cette vidéo en différé, on parle de l'été 2021. Puisque à l'occasion de la vidéo des 5 ans, tu nous avais mis un petit commentaire. Je vais le relire, hein, d'accord? Okay. Donc, j'ai la vue qui baisse, mais je devrais y arriver. Salut, donc ce message de Franck, c'est toi. Salut, je me demandais de combien de personnes était composée la team des dingues de jeu. Vous habitez proches les uns des autres ou vous êtes éparpillés dans toute la France? Si c'est la réponse 2, je voudrais postuler pour devenir un membre de votre team, car je suis déjà un dingue de jeu. Donc voilà, ça c'est le petit commentaire que tu nous avais mis dans la vidéo des 5 ans. Depuis, on a pris contact plutôt et tu fais partie de l'équipe. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle était ta démarche à l'époque? Ah ben, j'avais lancé ce message vraiment sans vraiment espérer une réponse en retour, quoi. Voilà, j'étais juste fan de ce que vous faisiez. Je me retrouvais complètement dans mon délire de jeu, quoi. Et voilà, j'étais vraiment à fond avec vous. Ouais, c'est cool. Ouais. Et quand tu dis « je suis déjà un dingue de jeu », ça veut dire quoi pour toi? C'est par rapport à l'état d'esprit? Ouais, voilà, l'état d'esprit. Et puis, je joue au petit bonhomme depuis que j'ai 12 ans, quoi. Ouais. J'en ai 41. J'engraine mon fils dedans. Donc, voilà, c'est, non, c'était tout ça, quoi. Même les tables décorées, tout ça, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément et qui me plaît toujours, quoi, d'ailleurs. D'accord. Et tu continues de jouer, toi, de ton côté? Ouais, je joue avec mon fils, essentiellement, quoi. Bon, j'ai pas forcément des goûts très, très, très sympas, notamment le dernier que j'ai acheté, là. Alors, mais ouais, je joue encore avec. Il faut savoir que Franck achète tous les Kickstarter qui sortent. Voilà, tout et n'importe quoi. Le dernier, War for the Chicken Island. Ce sera, bah écoute, ça a l'air très intéressant. En tout cas, donc, tu nous avais contacté et on est revenu vers toi et on t'a dit, bien sûr, Francky, tu peux rejoindre l'équipe quand tu veux. Alors, c'est vrai que toi, tu habites dans le sud-est de la France, près d'Aix-en-Provence, c'est ça? C'est ça. Nous, on est plutôt dans le 93 du côté de Saint-Ouen avec le studio, donc c'est pas évident pour se retrouver. On s'est jamais rencontré physiquement, à part non, à travers des visios. Ça viendra. Ce n'est qu'une question de temps, mais en tout cas, tu as rejoint l'équipe des Dingues. On est un peu plus d'une dizaine maintenant, et chacun des membres apporte une contribution en fonction de ses compétences. Toi, tu es un peintre expert. Expert. Merci du compliment. Donc toi, je me débrouille, on va dire. Ouais, tu as rejoint l'équipe des peintres des dingues de jeu et récemment, on a vu tes peintures dans un rapport de bataille Star Wars Légion, puisque tu nous as peint des renforts. Et sans ce soutien pour l'équipe, bah, malheureusement, nous, on ne pourrait pas être aussi productifs. Donc, on te remercie pour ta contribution. C'est toujours sympa en plus de peindre en regardant une vidéo des dingues de jeu. J'espère que c'est comme ça que ça se passe pour toi. Mais effectivement, quand on fait du montage ou qu'on tourne de notre côté, bah, c'est du temps au moins qu'on a pour la peinture. Et comme on essaye d'être un peu à jour sur les sorties et qu'on a des tas de projets. Donc, surtout maintenant avec les lives réguliers, ouais. ça va être chaud de trouver le temps pour la peinture. Mais écoute, c'est ça. Grâce à toi et grâce à une dizaine de dingues de jeux maintenant à travers la France, puisqu'on est effectivement tous un peu éparpillés, certains sont plus proches que d'autres et peuvent venir jouer au studio. Nous, on espère t'accueillir très bientôt, Franck, pour un live. Ouais, j'espère aussi, ouais. À l'occasion d'un passage sur Paris.
t'es chez toi aussi, donc on espère t'avoir avec nous très bientôt. En tout cas, merci pour ta contribution. Merci pour ta contribution au Dingue de Jeu. C'est avec plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu veux dire quelque chose à tous nos viewers, tous les dingues à travers la planète? Soyez fous. Soyez fous et continue de jouer. Bah écoute, continue de jouer. Ouais. Ce que je te propose, Franck, c'est de nous emmener faire un petit tour dans ton repère. Ok. Tu vas nous montrer ton poste de travail là où tu peins les bonhommes pour les dingues de jeu. Ma tanière. Et ta salle de jeu aussi. Ouais, pas de problème. Je fais ça. Ça marche. Franck, encore une fois, merci beaucoup pour tout. Merci d'avoir rejoint l'équipe des dingues de jeu. Merci pour ton énergie positive. Et on retrouve très bientôt tes peintures sur nos tables. On n'hésitera pas à te faire des dédicaces, mais en tout cas. Ça marche. Allez, bis, Franck, à bientôt. Ciao. Bisous. Merci. Ciao, ciao, ciao. Allez, petite présentation de ma pièce. On va commencer ici par mes nouveaux jouets. Une imprimante. Et une washing cure, mon coin peinture, quelques posters de Star Wars. Dans la pièce juste à côté, c'est ma salle de jeu, où je joue essentiellement avec mon fils. Quelques statues à l'effigie de Star Wars. D'autres posters. Des statues encore de Star Wars. Quelques jeux. D'autres statues de Star Wars et autres. Quelques comics. D'autres poster, un dessin réalisé par ma fille. Et puis voilà, on a fait le tour de ma pièce. Hey, t'es en live, tu veux dire quelque chose? Voilà les amis, est-ce que le son a bien marché? Vous avez tout entendu, ce reportage sur Franck? C'est le truc, Star Wars, c'est quoi? C'est quand même mieux qu'avoir 5 minutes de compte à rebours. De compte à rebours, quoi. Ouais, voilà. Ça nous permet de vous présenter des membres de la team qui ne sont pas forcément avec nous à Limoges. Donc on partage ce moment-là avec eux et puis on les met en avant aussi, eux et leur travail sur ces petites pauses, ce qui nous permet d'aller pisser. Si vous êtes dingue de jeu, ben on fera des reportages sur vous. Avec plaisir. Vous pouvez rejoindre la team aussi, n'hésitez pas. Maintenant, le studio s'élargit. On va recruter. Donc, rejoignez la team des dingues de jeu. Ok, c'est parti, les gars. On retourne de l'autre côté. Tu veux la finir quand même? Bah oui, bien sûr, je vais te finir. Bon, qui c'est qui m'a resservi? Je vais vous enculer, mon mort. Ah, bah oui. Alors, où est-ce qu'on en était? Pour rappel, tu peux pas avoir de carte tactique, toi. Ouais. Attends, pour rappel, vous pouvez remontrer vos cartes objectifs au... Oui, alors moi, c'est... Là, ouais. Moi, je suis toujours sur une protection du territoire. Donc là, je contrôle le centre de la table puisque j'ai plus de points que lui. Et moi, c'était secret. Donc là, la question... Pierre, il regarde. La question, c'est est-ce qu'il bluffe? Arrête de regarder, toi. C'est pas... Ça s'écrit pas comme ça, Cogène. Donc la question c'est est-ce que ta carte c'est une cible prioritaire et est-ce que ta cible serait cogène ou pas? A priori oui. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Suspense. Suspense. Nous, on sait, on a vu. Regardez la suite pour savoir. T'en as un qui est blessé toi là. Ouais. Ah, j'ai lu qui reste. Lui il est en train de crever. C'est un super reportage. Top ses poses découvertes et salutations aux hommes de l'ombre. Aux hommes de l'ombre, exactement. Salut Franck et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Est-ce qu'il est avec nous Franck? Est-ce qu'il est devant sa télé, Francky? Non, par contre. Vous avez raison. Ah non, il bosse le soir, je crois, Francky. C'est pour ça. Alors, moi, je vais jouer une carte tactique. Vous avez raison, il est un peu moche. Ouais. Qui ça? Il y a Nenpowa qui dit salut papa. Ah, bah c'est peut-être le fils de Franck alors. Ou alors moi qui ai des enfants cachés. T'as quelque chose à annoncer, fils de Franck. Finalement, c'est pas Franck, c'est pas vraiment ton père. Alors moi je vais jouer une mise à mort. Vas-y. Pour deux points de stratégie,
Je vais faire une mise à mort sur lui, ce qui me permettra de choisir la localisation de mes prochaines attaques. Nom de Max. Ah, c'est mise à mort. Ça a changé. Ah, ça a changé. Ah, mais c'est, non, ma, c'est, que... ma, c'est ma fille, en fait. Ah non, c'est ça. Vous pouvez choisir le résultat du prochain jeu de localisation. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Bien, ouais. Combien de vitesse, lui? 4. Non, il a 5 maintenant. Ah, parce que je suis t'es pas couché, toi? C'est ma fille, en fait. Ah, c'est ta fille? Bah, je sais pas, mais elle est pas couchée à cette heure-là. Elle a dit que c'était interdit aux enfants, en plus. Ah, oui, la vidéo est interdite. C'est la Reine des Neiges, normalement. Il n'y a pas la Reine des Neiges ce soir à la télé. Alors, je vais activer mon déchiqueteur des steppes avec une vitesse de 5. Eh oui. Ouais. Je vais t'attaquer. Qui attaque qui? Attends, attends. Il a combien? Il a 5 de dégâts. Il a 5 de combat. Il repasse à 5 de combat. Il reste le déchiqueteur. Faire... Ouais. Ça. Alors ça, on aimerait bien savoir le côté parle, parce que nous, on n'est pas au courant. Hein. Il utilise sa fameuse prière... Prière numérique. Numérique. Pour avoir des dés. Ouh, enfin quoi. Ah, la grande suite. Ok, je t'attaque, tu fais quoi? Je riposte. Tu ripostes, bien c'est. Bien. Bah ouais, t'as raison. Ouais. Enfin 3. Ouh, et moi je suis à 8. Bah je suis à 11. Toi t'es à 11. Oh putain. Il a 5 de dégâts lui. 5 hey, les gros mots toi. C'est ton neveu. Ça serait beau hein. Ce serait beau ouais. Ça serait beau. Vas-y, je suis à 4 de vigueur. J'ai plus le j'ai plus le soutien. On lance la doc. Oui toi tu lances la doc. Tout d'un coup. Tu lances tout d'un coup. C'est sur du 4 ou plus. Oh, oh putain c'est pas mal. 4 dans le dos. Donc je vais changer celui-ci par celui-ci. Alors montre-moi, t'en es où là? 1, 2, 3, 4, 5, ça me tuerait. Bah ça me mais je fais comment il est pas bien. Ça va, tu me l'as fait 15 fois cette partie. T'es sûr que tu peux faire ça? Bah oui mec. Non, on peut le laisser un moment celui-là, on peut le laisser un moment. Allez. Je regarde si je peux faire quelque chose. Tu veux que tu l'enlèves? Non, je veux faire. Je peux l'enlever? Oh putain. Je savais que la prière était importante. Où ça pique? Où ça pique, ouais. Ah là, j'ai eu un jeu de chatard. Ouais, là, c'était ton tour. Donc, j'ai utilisé un BA quand même, faut quand même le marquer. Ouais. Tu peux te passer ça, s'il te plaît. Il a combien de vitesse, lui? Fais pas la gueule, ça va. Il a Kushi, il a 5 de vitesse. 5 de vitesse, pas mal. Je vais activer Yapalko. Ouais. C'est lui, là. Hein. Ouais, c'est lui. Rapidité c'est 2. C'est lequel, Yapalko? Rapidité ah, le... 5. D'accord, ok. Vas-y. Il va juste se mettre. Ce n'est pas au contact. Oh, c'est quoi, cette action de fiotte? Bah, il va juste protéger, faire en sorte qu'il passe pas... Comment tu... Attends, je vais voir avec un autre socle. Que lui ne puisse pas passer. Donc là, je vais un petit peu dans le truc. Ouais. D'accord. Et je le mets là. Oui, il me faudra deux actions pour le... Pour attaquer l'autre. Je le mets là. Tu passes là? Ouais, quand même. Ah oui. Je peux pas passer à côté de la pelleteuse, mais... Il y a deux... Tu passes là? Je suis pas sûr, hein. Si, regarde. Non, mais non, il faudra 2 PA, allez, je vais utiliser 2 PA. C'est bon, t'as fini de faire ta fiote? Et je vais faire un champ perturbateur, donc je vais utiliser 2 PS. Tous les combattants adverses à 10 cm ou moins doivent effectuer un test de psy en opposition avec Yapalko. Les combattants adverses dotés d'au moins un équipement de type tech sous un malus de moins 2 en psy. Il a pas de tech, lui? Non. Si, je suis tech. Laboratoire portatif. Donc t'as 2 psy en moins. Et tu dois faire en opposition à moi, qui est 5. D'accord. Donc moi j'ai 4 et moins 1, c'est ça à cause moins de 2. Pourquoi moins 2 j'ai... Parce que t'as tech. D'accord, c'est moins 2 pour tech. Moins 2. Tu dois faire un test d'opposition avec moi. Ah. T'as perdu un PA. Allez. J'ai perdu un PA, c'est ça? Ouais. Ok. Et moi aussi. Et moi aussi. Oh, de toute façon, je m'en fous. Je n'avais besoin que de 2 pour te charger. Non, mais t'es sérieux? Ouais. Tu veux pas te battre? Bah, c'est, bah tu peux me charger là. Bah, peut-être celui-là. Ah oui, tu peux. Ouais.
Non, Roland, on n'a pas changé les verres en haut, c'est juste peut-être Morgane, c'est un effet d'optique. Non, petit. Passe, non. Non, pourquoi pas? Parce qu'il y a un décor. T'es vraiment une chachotte. Je suis un défi, mec. Je vais venir te faire le yonf comme ça. Vas-y. Pour tes bonheur. Allez, je te tape. Donc, il a pas qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a juste. Non, il est tout neuf. Et il a. T'as combien de dégâts avec lui? De combat, on dit. De combat 4. J'ai 4. 4, 4. Viens, moi! Vous allez payer, vous inquiétez t'as pas! 4 en vigueur. Vas-y, je vais riposter. Bah, bien sûr. Tu réfléchis trop longtemps. Oh putain, il va me taper en premier, ces bâtards. Vas-y. Tape-moi, mais j'aimerais bien que tu m'énerves un petit peu pour que je sois plus violent. Je dois faire du 4+. Ouais, 4+. Ouh, ça fait 2 dans le 2 dans les jambes. 3. Pourquoi 3? Avec lui. D'accord. Et t'as combien dans les jambes? J'en ai encore 2 points de vie. C'est pas 2 coups de poing. Alors attends, il me semble que... Il range pas ses affaires. Attends, 2 secondes. Je t'attaque, tu me fais chier avec ces trucs. T'as combien t'as en vigueur? 4 toujours? 4. Ouais, 4. Oh putain. Tu m'en mets un dans 3? Ouais. Dans 3. J'ai une protection. Non, je déconne pas. Attends, il n'avait pas été blessé parce que je peux choisir la loque. Tu dois choisir la loque? Je peux choisir la loque avec ma mise à mort. Ah non, désigné à combattre en vigueur. Ouais, c'était sur le déchiqueteur. Culture du Marais qui demande quand est-ce qu'on nous voit avec les cannes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a vraiment compris qu'il y avait un expert ici. À moi? Oui, à toi. Bah avec Faris, je vais charger. Ouais. Alors Sacha qui vient de nous rejoindre, ouais, la caméra, on fait, on la change bientôt. 1, 2, 3, 4, 5. Donc toi t'as plus de. Non, j'ai plus de. J'ai plus de PA non. Ah c'est pas terrible. Dans le 1, une réussite dans la tête. Une réussite dans la tête. J'ai changé un dé, t'en mettre une autre. 2 dans la tête. Je suis pas mort. Fin du tour. Je ne marque pas de points de victoire à ce tour-ci. Allez, c'est le dernier tour. Je suis encore en vie. J'ai plus de PA. De PS. Moi non plus. De toute façon, on ne se jamais depuis tout à l'heure. Donc, on va régler ça au dé. On se donne rendez-vous. Ouais, il était très bluffé quand même. J'ai plus de PS, mais viens, on t'en a quand même. Ça te fait plaisir. Non, mais je savais pas que c'était un avec toi. C'est à toi de jouer. Sublime des Ah non, j'ai fait un effet spécial de première égalité et les gens l'ont remarqué, donc ça fait plaisir. Est-ce que tu peux montrer la carte 2 secondes de lui, s'il te plaît? Eh les gars, vous dites pas, on a reçu des tips ce soir. Ah ouais? Bah ouais. Sympa les gars. Bah, ça marche. On n'a pas vu le tip. Il y a Poupi qui nous a rejoint sur le Tipeee ce soir. Poupi, on va t'envoyer le sondage. Merci Poupi. Merci à toi. Ouais. Je vais activer, il n'y a pas le coup. C'est activé le bordel, je ne sais pas comment ça marche. Ouais, normalement vous avez des alertes. Hein. J'ai activé, il n'y a pas le coup. Okay, je vais te taper. On espère que tu vas bien, Poupi, et que tu continues de jouer à Eden. Tu fais quoi? Je vais. J'aurais bien esquivé, mais maintenant j'ai trop en vitesse. Donc tu sais, chez les cannes, on aime bien mourir dans l'honneur. Donc tu je vais riposter. Ah, voilà. 4 et 4, 8. Vas-y. C'est à moi? Bah oui. C'est celui qui est blessé en plus. Bah ils sont tous blessés. Ah je vais le finir, ouais mais c'est son. Non, non, c'est le petit blessé là. Il a juste il y a un dégât dans le petit blessé, le gros blessé. C'est lui là. Ouais. Ok. Allez, fume-le, Kushi. C'est maintenant, it's now or never. Il reste que Kushi. Il reste que Kushi, ouais. Allez, c'est pas mal, il y en a 3 dans le 4. Qu'est-ce qui se passe dans ton 4 à toi? Je passerai à 3 de vigueur. Ouais, c'est pas mal, on va faire ça. Ou tu peux mettre... Non, je veux ça. Tu peux me passer le truc, s'il te plaît? Ouais, je peux te passer le truc. Vas-y, tape-moi. Tiens, ça sent la dernière ligne droite, ça sent la pression. Les mecs sont sérieux. Non, je vais la gagner, cette game. Allez, pierre, cisaille, le... Deux dans le deux. Tu vois, ça perd complètement tout le monde entier, Chacha. Vas-y, je vais te faire toutes les looks, moi. Hein. Ben, un dans le dos, un dans la tête. Un dans la tête, ouais. Vas-y, tu me rattaques. Vas-y, beau jeu. Vas-y, je te rattaque. Beau jeu. Je te rattaque, je te riposte. Non, ça, c'est dommage, c'était un beau jet. Ça compte pas, ça. C'est pareil.
Ah là 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 là. Couchi, couchi. 1, 2, dans le 3. J'ai fait toutes les logs du monde. Arrête de râler. Alors 2 dans le 3, t'en fais quoi? Tu me les laisses? Là. Tu passeras combien de vigueur? C'est dans le 3, c'est des bras. Tu passeras combien de force? À 6 de combat. Non, arrête. Bah, si. En rouge? Ouais. En bleu, 2. Non. Deux. Ah oui, je m'en mets deux. Mais je t'en mets un dans la tête. Tu m'en mets un. Oh, t'es dans le 3. Hein. Ouais. Donc, ça fait 0 dans la tête. Ah, mais non. 2 dans le 3. Putain. Je t'en mets un dans le torse. Un dans le torse. Un okay. Dans le 4. Eh ben, je vais te riposter. Vas-y. Et moi, je vais te finir. Bah, faudrait, hein. Allez, allez. Allez, allez. On n'a pas un roulement de tambour. T'as pété? Non, c'était la seule. Ah, 3 c'est dans le 2. Bien. Ouf. Tu vois? 3 dans le 2. Putain, sinon, je te mets ça. Ah, fais voir ta carte, putain, pourquoi tu. Ah, tu veux que je te demande? Parce que oui. Moi, quand je te demande, tu gueules. Non, parce que... Si, il gueule, hein. Ah, merde, c'est pas passé loin parce que 3. Je pourrais te mettre 2. Non, 1 dans le 4. Il se passerait 1 de la mort, ce bâtard. Je peux pas avoir de la chatte toute la partie, Pierre. Hein. Alors, je vais te mettre 3 dans le 2. Je vais te mettre les 3 dans le 2. 3 dans le 2 ? Ouais, allez. 3 dans le 2. Tu vas taper un peu moins fort. Ok, c'est parti. C'est à l'autre de taper maintenant ? Ben, toi, t'as ouais, tout à fait. Hein. C'est à moi de jouer. Ouais. Vas-y. Moi, j'ai utilisé 2 PA pour l'instant. Ouais. Moi aussi. Avec fait. Il m'en reste un. Ouais. Il peut rien faire, mec. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai plus de points de stratégie. Ah, tu fais des tests capillaires. Ah merde, j'ai oublié une de ses capacités, c'est pas grave. Ah, c'est con, hein. Ouais. J'ai pas joué de carte tactique, j'aurais pu récupérer des points de stratégie. Mais j'ai oublié, donc moi j'assume mes conneries. Je voulais juste le dire à nos viewers. Qu'est-ce qu'ils font les deux? Et Jean-Louis David. Eh bien écoute, je vais... Bien les cheveux. Je peux pas attaquer puisque j'ai fait 2 ripostes. Ouais. T'as combien de mouvements? Je peux pas faire une cicatrisante parce que c'est pas sur moi. T'as combien de mouvements? J'ai 3 de mouvements. Je vais passer. Je t'interromps. Je vais passer. Bah oui, je peux pas faire autre chose. Il va m'attaquer. Donc je vais t'attaquer avec Ifaris. 1, 2, 3. Je vais tenter 4, une esquive. 5. 5, 5, 5. Ouh, dans le 6. Ça fait combien ça? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 dans le 6. En sachant qu'il me reste que 2 points de vie, vas-y. Ça te fait 4 réussites. Ah là là. C'est la fin de Couchy. Je peux l'enlever? Ouais, non, c'est moi, si tu touches pas mes bonhommes. C'est la fin de Couchy et c'est la fin de la game. Je me suis fait table rase. Par des nephilis. Putain, mais nous, on l'a pas vu venir. Putain, ouais. Non, mais c'est la rage sur Cogène, je le sais en plus, mais bon. J'avais gardé un PA pour qu'il soit pas sensible à l'assassinat, mais il me l'a viré avec son putain de pouvoir. Là. Ça, c'est le même truc que tout à l'heure, hein. Ouais, non, celui qui m'enlève un PA en fait. Ouais. Il m'a enlevé mon PA qui fait qu'il a pu faire son assassinat avec ses 2 dés en plus au combat. C'est bon, ce je qui a sais fait pas. Changer la game. Il est où le Non, j'essaie de faire une analyse stratégique de ce qui s'est passé. Après, effectivement, on s'excuse, c'était pas forcément une belle démonstration. Ça fait 2 ans que je potentiel. Voilà, je pense qu'on a. Mais du coup, c'était quoi ta mission? Alors, ma mission. C'était la source pure au milieu. Non. C'était cible prioritaire. Je la lis. Ouais. Non, mais c'est bon. Ça, c'est... Donc si tu tues Cogène... Couchy. En début de partie, et juste avant le déploiement, notez sur cette carte le nom d'un combattant adverse. Ouais. J'ai noté Cogène. D'accord. K-H-O-J-E-N. C'est bon. Cogène. C'est validé. À la fin de la partie, comptez vos points de victoire comme suit. Chaque combattant adverse éliminé durant la partie par un de vos combattants vous permet de marquer un nombre de PV équivalent à sa valeur. Ouais. Donc j'ai marqué combien finis de 50. Ouais. Les PV gagnés comme indiqué ci-dessus sont doublés s'il s'agit du combattant noté ci-dessous. Donc ça te fait 150. 150 points. Ouais. 150 points et moi 25. Et donc sur la table, il en reste à la fin de la game. Mais 2 intello. Les 2 intello, ouais. Tu parles d'un intello, celui-là c'est pas un intello. Hein. Tu rigoles ou quoi? Champ de probabilité. Il a servi à rien du tout. Il y a Raspapa qui veut une danse de la victoire à poil.
Ah non, mais ça, c'est... Non, non, mais ça, c'est pas une bonne idée, faut arrêter de... Non, il y a ta fille en plus. Ouais. C'est mon fils finalement, ça va du coup. Ah, et puis encore, s'il me demandait ça à moi, ça pourrait avoir un intérêt, mais... T'es là, tu l'as mauvaise, c'est pour ça. Tu tailles le physique, c'est ça. Bon, la prochaine fois, si ça peut être une partie patate au centre de la table, ça représenterait mieux Eden pour ceux qui n'y connaissent pas. Non, ben là, pour le coup, pour les nouveaux joueurs, franchement, il n'y a pas eu trop de tactique, ça a été, on a fait du tout droit, quoi. Ouais. Ouais. La prochaine sera peut-être plus stratégique. Bah, elle était stratégique, quand même. Oui, oui, elle était très stratégique, ouais. Non mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas tapé dessus Eden, on avait envie d'en découdre. Puis moi, à partir du moment où je sors Cogène, je vais pas tourner autour de la table, quoi. Non mais je ferai plus l'histoire de la rage, c'est noté, je le sais, faut plus mettre la rage sur Cogène, surtout quand il est entouré comme ça. Voilà, c'est comme ça. J'aurais pu tenter un choc, mais ça aurait pas changé. Non, je m'étais placé de manière à ce que tu me fousses pas, les gars. Ah. Yeah. Voilà, je sais pas quoi vous dire. Choc, c'était un PA, non, de toute façon. Choc, c'est un PA. Donc, j'aurais pu faire ma charge, après faire choc et garder un PA. Là, je te vois, je suis un... Ouais, je pense aussi. Cogène vaut 50 points et comme c'est la cible, ça double ses points. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Si prioritaire. Tu veux que je la relise? Non, non, c'est bon. C'est bon, on a compris. Il y a Franck qui vient de nous rejoindre. Salut Franck. Salut Franck. Bah, il sort du taf, hein. Il y en a qui taf le soir. Allez, venez, on se met là-bas. On va... Vous voulez qu'on fasse un petit tour sur le sondage rapidos? Allez. Allez. Tiens le micro. On se sert pas la main, Pierre? Voilà, tu veux pas faire un bisou convidé? Non. Alors, on va faire un petit tour sur le sondage. Tu devrais me porter, si. Tu devrais faire un gage pour le perdant. Oui, oui, ça, c'est ta genre d'idée quand... quand mec, bien sûr, je vais y passer. Tu me laisses de la place, un peu? Ouais. Ouais, mais en même temps, ce qu'il faut, c'est te mettre devant. Mais flou devant, il y a un problème. Il faisait peur aux personnes, il était trop près. Le vert sur la table, c'est interdit. Si, c'est interdit. Par contre, autant la barbe, ça a repoussé, mais les cheveux, faut faire quelque chose quand même. Il tombe tout seul, t'inquiète. Bah, on est pas mal là aussi. Hein. T'inquiète pas. Bon, alors, les amis, comme on vous disait tout à l'heure, il y a un sondage en ce moment sur le Tipeee des dingues de jeu, ouais, pour la programmation des semaines à venir. Donc, en première position pour l'instant, on a une campagne de Necromunda. Oh mon dieu. Ils nous veulent du mal. J'ai pas joué à Necromunda depuis 1997. Non, c'est pas vrai. Non, on a fait une campagne il y a 2 ans, Momo. Enfin, on a fait une campagne qui a duré 2 parties. Quoi. Non, mais si, Momo, il a fait. On a eu l'idée de faire une campagne, mais j'ai jamais acheté des dés. Si, t'as acheté des dés. Avec des figurines. Il y avait Mo et Mo. J'ai joué quelle faction? Les clodos. C'est les clodos, c'est quoi? Bah oui, les clodos, il y a des clodos, les rats d'égout, là, les codors. Les caudors. Les codors. C'était sur la chaîne. Non, c'était moi qui jouais Cador. Non, on a fait ça juste entre nous. Bah oui, parce que on a dit c'est compliqué. C'était compliqué avant de filmer une campagne de Necromunda. Là, avec le setup, on va pouvoir faire quelque chose. Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Écoute, moi j'aime beaucoup Necromunda. Je sais qu'il y a des gens ici qui l'aiment beaucoup moins. De toute façon, mais c'est un processus démocratique. C'est ça. Donc, après, vous trouvez des gens qui savent jouer aussi. Ah oui, mais c'est une campagne à 2 ou 3, ça va être. Non. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est pareil. C'est-à-dire que non seulement vous votez pour le jeu que vous voulez voir en campagne, mais en plus vous allez venir jouer avec nous. C'est-à-dire qu'on va, une fois que les jeux seront définis, on fera un petit live la semaine prochaine. Est-ce que les gens votent pour les factions qu'on joue? Non, j'ai une petite idée là-dessus, on va le tirer au hasard. Ah ouais? Ouais, on va le tirer au hasard. Sur Necromunda, je pense que si on fait une campagne en Necromunda... Ça m'a fatigué de te mettre une branlée quand même. Ah, c'est vrai, je te jure. Il faut que tu prennes des vitamines. Mais je suis fatigué. Si on fait une campagne de Necromunda, je pense qu'on commencera avec les 6 gangs de base. Et je préfabriquerai des gangs. Parce qu'il faut veiller à l'équilibre. Et ensuite, on les tire au hasard. Ouais. Alors d'abord, tu les préfabriques et ensuite, on tire au hasard. Ouais. Ok. C'est ça que je vais faire. Parfait. Et ensuite, on les tire au hasard. Et encore une fois, tous les gens qui sont en région parisienne, qui ont statut de dingo et qui sont présentables. Qui sont présentables seront invités à participer à cette campagne avec nous. Donc pour l'instant, on a Necromunda qui est en première position. En deuxième position, on a Blood Bowl. Blood Bowl, c'est la vie, les gars. Votez Blood Bowl. Un petit championnat de Blood Bowl en perspective. De toute façon, on prend les deux premiers, c'est ça? On va prendre les deux premiers, ouais. On va prendre les deux premiers. Après, on va jouer à tous les jeux. Mais en tout cas, ça nous donne un indicateur de ce que vous voulez voir en priorité. Et ensuite, on a égalité, on a Dust et Game of Thrones. Mmh. Et dans le même niveau aussi, on a
on a c'est Star Wars Legion. Donc à égalité, Dust, Game of Thrones, ouais, et Star Wars Legion. C'est, ça se joue dans un mouchoir de poche, donc tous les votes feront la différence. C'est quand le verdict, c'est quand Le verdict, c'est la semaine prochaine. Ah donc, putain, la semaine prochaine. Les gens ont jusqu'au début de semaine prochaine pour voter pour leur jeu préféré. Et ensuite, oui, question. Il y a Carny qui parle de Bushido, mais on t'attend pour faire une démo. Hein. Ouais, ouais, Romain, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. On t'attend pour faire une vidéo. Mais Carny, c'est ton frère. Ouais, ouais, c'est Romain. Ouais. C'est Romain. Et puis, en participation, tu pourras peindre aussi la team de Pierre. Ouais, très bien. Avec les Fantasy Brawl. Super. Il fait sa liste de courses. Donc, les amis, vous ils votez sur le Tipeee. Ils ont sorti Game of Thrones en jeu, point d'interrogation. En ouais, jeu, oui. Monstrueux, le Game jeu. Of Thrones, ouais, oui, c'est Song of Ice and Fire. The Song of Ice and Fire. Bon, on a fait une vidéo. Qui pose la question, c'est quelqu'un qui vit dans une caverne, ça. C'est Roland Giron. Ah bah oui, alors... Roland, tu nous fais quoi, là? Il y a quoi, une semaine? C'est gênant, Roland. Ouais, c'est gênant. On a fait un live, en plus, tu pourras voir la vidéo. Ouais. C'était les mammouths. Non, bah vous ne vous sentez pas obligé de regarder, celle-là, on en fera une autre. Donc voilà, les amis, on a... Ça relance des questions sur Eden, quand même. Sur Eden bah oui... Bah, rien n'a changé, les cannes... Les cannes, Cogène... Non, il y aura beaucoup de choses en 2022, mais on peut rien dire. On peut rien dire pour l'instant. C'est comme ça. Joe la fuite n'a pas fuité ce soir. Donc ça, c'est pas mal déjà. 2022. Ouais, 2022, c'est déjà un indice, hein, je pense. Hein. Donc voilà, les amis. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rejoindre l'équipe. On a pratiquement été au bout de cette première partie de Festival des Jeux. L'objectif, c'était dans cette première partie du studio, c'était de vous montrer un peu tous les jeux auxquels on joue. Et ensuite, de vous donner la possibilité de voter pour votre jeu préféré, celui que vous voulez voir en campagne, puisqu'on va jouer pendant plusieurs semaines en campagne. Et ensuite, vous donner la possibilité de venir jouer avec nous. Ça va être très tu cool. Tu louches, mec. Quoi, je louche? Ben, je le vois, c'est pas moi qui le dis, c'est la caméra. Ben, n'importe quoi, pourquoi tu dis ça? Pourquoi, qu'est-ce que tu dis? Vous donner la possibilité de venir faire ces campagnes avec nous. Donc, on va vous lancer les invitations, mais on fera un live la semaine prochaine avec les résultats des votes et vous expliquer comment tout ça va se passer. Mais on est très excités. Hein? Non, moi, c'est par rapport à la victoire. On est très excités en tout cas de rentrer dans cette deuxième phase du studio. Parce que vous allez comprendre tout l'intérêt de ce setup, c'est de pouvoir accueillir plus de monde et de pouvoir créer plus de contenu. Là, je pense qu'on a déjà été pas mal là, sur ces premières semaines. Il nous manque des trucs, il nous manque des jeux auxquels on joue quand même. Oui, oui, non, mais en termes de production, ouais. On est passé d'une vidéo par semaine à deux ou trois vidéos par semaine. Ouais. On va essayer de tenir le rythme, mais c'est toujours pareil, c'est pas facile. Et on compte justement sur vous là pour venir également animer tout ça, quoi, parce que c'est ça. C'est vrai que c'est compliqué d'être là tout le temps, quoi. Enfin, moi j'habite pas en dessous, quoi, donc il a son petit matelas dans le bout de la pièce, mais effectivement on compte aussi sur vous pour rejoindre l'équipe des dingues de jeu, parce que c'est ce studio, c'est un endroit justement pour pouvoir accueillir des gens et pour qu'on puisse tous devenir des créateurs de contenu. C'est ça, hein. Oh, c'est bien dit. C'est bien dit, hein. On est tous des créateurs. Bientôt, les enfants ils diront à l'école, moi je veux être un dingue de jeu quand je serai grand. Ouais, mais enfin, pas à partir de 18 ans. Non, il y a quelques exceptions. On a quelques enfants aussi. T'as la chair de poule? Ben non, tu voulais pas dire un truc là des... De quoi? Les enfants, ils sont bienvenus aussi. Oui, les enfants sont les bienvenus aussi. Ah, on aime bien les enfants. Bah oui. Non, on va organiser sans doute, c'est ça que tu voulais que je dise. Bah, un goûter. Oui, un goûter avec plein d'enfants. Non, on va... Non, moi, je peux pas, les gars, avec mon bracelet. Là, je vais me faire taser direct. Le mec va... C'est quoi ce bip? C'est le bracelet. Je suis un enfant dans la pièce. Ramenez-nous nos enfants. Non, on va faire des après-midi goûter. Ah oui. Sans doute le week-end, on a dit, puisque toi, Mathieu, tu as un fils qui joue maintenant à Space Hulk. Ouais. Et donc, bientôt, on organisera un combat entre toi, entre ton fils et toi, et Inès et Thibaut. D'accord, on va faire des après-midi goûter où il y aura du jeu en famille. Donc, si vous aussi, vous voulez venir jouer en famille. Du cacolac, voilà. Fini la goudale sur ces journées-là. On va boire du Coca-Colac. Ok. Parfait. Est-ce que vous avez des questions sur le chat? On veut de la fuite Eden. On veut de la fuite sur Eden. Ben non. Aucune de tout. C'était racheté par Games Workshop, je ne dis pas. Non. La pompe à bière. Ça, on peut en parler, ça. Et le jeu construit ta pompe à bière, c'est quand? Morgane. Non, je pense qu'il faut fixer un objectif. Ouais. Si tu n'as pas d'objectif, tu le feras pas. C'est pas si j'ai pas d'objectif, c'est si j'ai pas de nouveau le Covid. La Covid. Oui. Là ou le Covid.
Je ne comprends plus rien. Moi, je sais plus. Momo, même le nom, il change tout le temps, j'ai envie de dire. Momo, il était isolé, il était en quarantaine, donc il pouvait pas approcher de la pompe à bière. Merci. Il finit sa quarantaine. Il avait 10 jours pour commander un truc, quoi. C'est vrai. Mais non, faut que j'aille à l'animalerie. À l'animalerie, putain, je vous raconte pas ce qu'on va voir. Tu penses que c'est juste le fait qu'il n'y ait, qu'il y ait pas de gaz. Bah, après, j'en sais rien. Ouais, mais après, je pense que peut-être la bouteille elle est percée. Du coup, j'ai peur. Mais elle va percer. Bon, bah voilà, les amis, c'est tout pour ce soir. On a fini plus tôt que d'habitude, mais vous allez pouvoir aller vous coucher de bonne heure ce soir. Parfait. D'accord. Alors, on vous souhaite une bonne soirée. La suite du programme, c'est ce week-end. On va jouer samedi après-midi à 16h. On va jouer à Dystopia Noire. Avec Luce. Jeudi, il n'y a rien, alors, c'est ça? Jeudi, il n'y a rien cette jeudi, semaine. Jeudi, il n'y a rien. On va tenter de se tenir au lundi, au jeudi. Ouais. Parce que là, c'était et un au peu... samedi. Marquez tout ça dans vos petits carnets, là. Alors, on va essayer de faire, à partir de la semaine prochaine, on va essayer de faire lundi et jeudi. Ouais. Et le samedi aussi, optionnel de temps en temps, en fonction des disponibilités des uns et des autres. Ouais. D'accord? Et les semaines paires. Les semaines paires. Qu'est-ce qu'il dit? Non, les samedis de façon occasionnelle. Ah. En fonction des disponibilités des uns et des autres. D'accord? Et José, la semaine prochaine, José qui est un de nos supporters sur Tipeee, on commence à envoyer les invitations. José sera avec nous lundi, donc on ne connaît pas José physiquement, mais on va l'accueillir avec nous lundi soir pour faire une partie de Dust. Donc ça, c'est lundi cool. Dust. Ah, c'est lundi Dust. Prochain, ouais. C'est Dust. Ouais. Là, c'est lundi là, ouais. Ouais, lundi, d'accord. Lundi, une partie de Dust avec José, d'accord? Allez. Allez, ça marche. Ciao les potos. Bisous les amis. Ah, on a même pas fait de débrief sur la partie. Si c'est bon. T'as ah bon. Salut les amis. Ciao les gars. Ciao. Salut. Comment on fait pour arrêter? Il clique. Il clique. Yop.